Wow. Oh, oh, pousse-le, mec. Pousse-le. Pousse-le, mec. Pousse-le. Pousse-le. Pivalou, tu peux toujours le faire. Pousse-le. Il est au bord du vide. Let's go. Oh, what? 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 What the fuck, man? What the fuck? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais quoi? Mais... Kill, c'est pas le vrai, donc Balek. C'est pas le vrai Rick, donc Balek. Eh hey, si, c'est le vrai Rick. C'est moi qui ai dansé. Non, 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 non. Tu démarres, 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 démarres. Non, 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 celui-là, ça rentre. Je prends que des points là. Oh, attention, attention, attention. Toujours pas. Allez, ciao. Oh, let's go. Allez, connard. Allez, oh, let's go, tu l'as enfermé. Allez, tu vas te coucher, gros. Oh, c'est beau ça. Mais t'as pas d'épée non plus. Mais non. Mon épée. Alors, je suis gros, je suis sali contre personne. Ah bah. Auteur. J'en ai marre. Allez! Ça veut pas, hein. Allez, on va venir, hein. On va venir, regarde. Regarde. T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Oh, aïe 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 aïe. Oh, il était bon celui-là. Attends, qu'est-ce que tu m'as donné là? C'était pas très la gentillesse. Oh oui, va télécharge ça si tu veux. Vas-y, on va prendre le rapport dans le petit cut dans le tunnel. Ah oui, 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 oui. Attends. Attention, prépare-toi. Vas-y, go. Bibi. Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît. Messieurs, dames. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je suis coincé, au secours. Non, sérieux, je suis coincé. Non, j'ai fait. Pourquoi je trouve tout de suite le premier bug dans ce jeu, là? S'il te plaît. Mais non, mais s'il vous plaît, je suis coincé. Aidez-moi, arrête de boire, toi, aide-moi.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien ici des Gamers France. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue messieurs dames dans ce deuxième dans cette deuxième partie de notre let's play sur Pikmin 3 et notre septième épisode d'ailleurs. C'est notre septième épisode les gens, je suis tout à fait et tout bonnement surpris par notre avancée dans ce let's play, c'est un truc de fou. On a battu le let's play de Sonic Colors. En tout cas les gens, j'ai... Non pas encore, pardon, excusez-moi, je me suis foiré. Attendez. Si je crois, je sais plus les gens, bah de toute façon, tant que la série n'est pas sortie, vous ne le saurez pas, bien évidemment. Voilà. Messieurs, dames, bienvenue, ce soir, nous allons continuer notre aventure Pikmin, voilà, parce que nous avons un vaisseau à réparer et un deuxième jeu à commencer, voilà. On est déjà pressé de partir sur le deuxième jeu alors qu'on a à peine commencé le 1. Effectivement, on est un petit peu trop pressé, on va pas se le cacher, voilà. En vrai, je pense que ça le fera au niveau du temps. Parce que, en vrai, le jeu, il sort le 21 juillet. Le jeu sort le 21 juillet, donc en soi, on a littéralement 2 mois. On a littéralement 2 mois à terminer les 3 opus. En vrai, je pense que c'est un truc qui se fait. Puis même si jamais, un moment, on a du mal, je pense qu'il se passera un truc, c'est que... on va faire 2 fois plus d'épisodes. On va faire 2 fois plus de sessions de live, les gens, on va être pas mal. Donc, messieurs, dames, bienvenue à tous ceux qui arrivent dans le chat. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Ceux qui débarquent dans le chat Twitch, du coup, moi ça va très bien, écoutez. En vrai, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir lancer, parce qu'en vrai, j'ai rien d'autre à dire. Si, à part que je suis enrhumé. Mais tranquille, tranquille. J'ai chopé un rhume, mais tranquille. Ouais, donc en vrai, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc écoutez les gens, écoutez, on va cut la musique et on va tout simplement démarrer l'émulateur. Voilà. Monsieur dame incroyable, on est sur Pikmin juste là. Alors est-ce que ça... La manette n'est pas connectée, MDR. Ok, on a déjà un problème. on va faire une petite hélice pour le rec. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Déjà, attends, là, déjà on va faire comme ça. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Manette, contrôleur standard configuré. Ah, pourtant c'est ça. Ah, je suis déconnecté, ok, très bien, donc là je suis déconnecté. Ah, voilà, alors là, ok, c'est bon, je suis de retour. Ok, donc là, normalement, si je vais là que je fais ça. Ok, c'est bon, le rec, du coup, bienvenue. bienvenue, voilà, on a enfin terminé, alors on va juste... Voilà, nickel. Allez, du coup, les gens, on va pouvoir commencer notre fabuleuse aventure. Oui, il faudrait que je me trompe pas de bouton aussi, ça serait pas mal, voilà. Je me suis un peu trop habitué à la manette Xbox, les gens, on va pas se le cacher. Hop. Messieurs, dames, nous sommes partis, du coup, pour le jour 7, pour l'épisode 7 de notre aventure. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir de pouvoir y retourner, voilà. Donc, qu'est-ce que nous avions fait la dernière fois? Oui, nous avions découvert une nouvelle zone, voilà. Donc, on a le nombril de la forêt qui a été découvert. Et on a 3 espèces de Pikmin, et je crois que c'est les 3 seules espèces que nous aurons dans ce jeu. Voilà, étant donné que on n'a pas d'autres espèces, je crois que ouais, c'est les seules espèces qu'on aura. Donc, parce que oui, il y a d'autres variantes de Pikmin, mais apparemment, les Pikmin jaunes, rouges et bleus ont été les premiers. C'est vrai qu'il nous manque une pièce dans cette région. En vrai, là, je serais plutôt d'avis pour essayer de rattraper le coup, là, d'aller dans ces nouvelles régions. J'aimerais bien savoir, est-ce que je pourrais avoir accès à la carte? Je n'ai pas accès à la carte. Parce que dans tous les cas, cette zone, va falloir qu'on la découvre. Je pense, les gens, on va faire un truc. On va retourner dans cette région et on va aller chercher la pièce qui nous manque, en vrai. Parce que je crois qu'il nous manquait 2-3 trucs. Donc, écoutez, les gens, je pense qu'on va faire ça pour cet épisode. On va faire ça pour cet épisode, les gens. On va retourner dans cette zone, on va aller chercher la pièce. Voilà, on va pas continuer l'aventure. Voilà, on va au moins essayer de clear la zone. Là, en plus, on a des... Wouah, la vache, attends, quoi? Oh, la vache, eh ben, on a bien fait d'y aller dans la zone. What the fuck? Le nombre de trucs qu'on a.
Wesh! Truc de fou! Eh ben, on a bien fait de revenir. Bon, alors, attendez, du coup, on va prendre... On va en prendre 33. Voilà. On va en prendre 33 de là. On va prendre le reste en jaune. Voilà. Et le reste en bleu, je disais. Voilà, parce que je suis débile. Hop. En plus, on en a que 19. Eh ben, écoutez, les gens... Eh ben, on en profitera pour tout simplement... augmenter la population. Et c'est ce que nous allons faire, d'ailleurs, dès maintenant. Si nous y arrivons. Ok, nickel. Donc là, j'aimerais bien du bleu. Non. Allez, on commence pas, les gens. Bon, bah, nickel. Bon, bah, là, du coup, il y a un palais rouge. Est-ce que je pourrais avoir... Je vais pas réussir à les avoir. Bon, alors, attendez. Non, toujours pas ça. Toujours pas ça. Voilà, nickel. Alors, toujours pas. Là. Toi, tu restes là, tu bouges pas. Donc là, on prend les bleus. On va aller prendre le palais ici. Allez. Voilà. Ensuite, les bleus, ils vont rester là. Il faut deux rouges. Mais putain, pourquoi tu prends ce palais, espèce d'abruti? Mais arrêtez de prendre ce palais. Ah. Ça y est, ils font déjà de la merde. Faut déjà de la merde, incroyable. Alors, est-ce que je peux avoir... allez, un bleu. Let's go, allez, hop là, un bleu. Et là, il me faut un rouge. Ok, nickel. Ouh, on galère déjà avec ça, mais tranquille. Oh wesh! Ok, bon, on va faire comme ça. Comme ça, eux ils sont level max. Vous explosez ça, ramassez ça, voilà. Nickel. Hop là, nickel. Bon, les gens, on va ramasser un petit peu comme ça, parce que, bon, je vous avoue que là, c'est un peu le bordel. Ah, ils font quoi? Ah, ils sont en train de faire un pont, ok, nickel. Mais attends, mais la zone, elle a ultra changé, ici, là. C'était pas comme ça, hein. Parce qu'il y a des jaunes, ici. Ouais, il y a des zones qui sont en train de pousser, ok. Là, on a les bleus. Allez, on va ramasser les bleus. Ok, nickel. Donc là, hop là. Mon dieu. Donc là, hop, un rouge là. Un rouge là. Non ! Voilà, c'est bien. Voilà. Allez, on va embrasser un petit peu les Pikmin. Voilà, nickel. J'ai encore fait une découverte sur les Pikmin, alors que j'allais dépasser les 100 Pikmin sur le terrain, l'oignon a cessé d'expulser les graines. Mais ça, on le sait, ça. Ça, on le sait. Bon, il nous dit un truc. Non, mais c'est bon. Je sais. Je sais. Il nous l'avait déjà dit lors d'un épisode précédent. En gros, on peut pas avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain, pour ceux qui débarquent. Voilà, donc, tout simplement. Et nous, on s'en fiche, parce que nous, on veut des Pikmin. Voilà, nickel. D'ailleurs, je crois qu'on a assez de rouge. Hein. Là-bas, on a encore des trucs. J'ai vu qu'il y avait un chemin, là. Vous aviez commencé un chemin, là. Il est où, votre chemin, là? Ah, il est là. Ah, mais vous êtes là. Mais putain, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Ah, mais vous tuez les mouches. Oh, putain. Bon, attends. Hop. Montez là-dessus. Allez me chercher les palais, là. Hop, voilà. Ils vont aller me chercher les palais. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser celui-là, déjà. On va essayer de s'organiser, là. Déjà, attends. Comme ça. Voilà. Où est la dernière pièce? La dernière pièce, c'est là. Il va nous falloir qu'on pète un mur. Si j'avais bien
capté. Et le mur, il est là. Sauf que du coup, pour péter le mur, on va avoir un problème parce que on ne peut pas y accéder. Donc, c'est-à-dire que si on veut y accéder, il va falloir qu'on fasse le tour. Et pour faire le tour, du coup, ça se passe par là. Ça se passe par là. Merde, attends. Là, voilà. Ici, là. Là, voilà. Donc il faut aller là et il nous faut des rocs. Il nous faut des bombes rocs. Et les bombes rocs, du coup, est-ce qu'on en a dans les parages? Là, on a un mob. Là, on a rien. Genre, on n'a pas de bombes rocs, là. Genre, on a un mur avec des bombes rocs, là. On a un mur à bombes rocs et on peut pas y aller. C'est aberrant comme histoire, quand même. Il doit y avoir des bombes rocs quelque part, les gens. Donc on va chercher les bombes rocs. Putain, ça se trouve, c'est là-dedans. Ah mais ouais, putain, ils sont là. Ok, c'est bon. Bah, du coup, il va nous falloir les jaunes. Il va nous falloir les jaunes. Bon, vous avez fait quoi, là? Putain, ils ont pas fait des bleus. Putain, les bâtards, ils ont pas fabriqué des bleus. Mais les enfoirés. Attends, ils sont où, le reste? Vous êtes où? Putain, ils sont là, le reste. Attends, mais... je peux plus les récup, là. What? Ah, mais c'est bon. Ok. Bon, là, du coup, on va mettre les bleus sur l'affaire, hein. Putain, mais pourquoi tu me donnes des jaunes? Mais putain, il faut que de la merde. Il faut que de la merde, ça aberrant. Bon, alors attends. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Parce que du coup, je viens de remarquer qu'on peut y accéder. Donc, si on peut y accéder, vous allez venir. Et vous allez m'emprunter ça. Hop, allez-y. Allez, 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 on y va, on y va, on y va. Hop, voilà, vous y allez. Attends, et du coup... oh putain, c'est ça! Ok, là du coup... voilà. Et là du coup, je vais pouvoir prendre le palais. Et c'est les bleus que je voulais. Allez, on prend les bleus. Attends, on va faire un truc. Là, voilà. Vous venez. Et vous me transportez ça. Normalement, il y a tous les bleus. Voilà, nickel. Ensuite, toi. Voilà, comme ça, là. Pitié, dites-moi que vous l'emmenez au bleu. Je vais pas réussir à farmer les putains de bleus, hein. Les gens, je suis en train de perdre du temps sur des putains de Pikmin qui ne veulent pas se montrer. Arrête de prendre les bleus, Olimar. Ah, Olimar, je vais t'en coller une, honnêtement. Allez. Voilà, nickel. Et tu vas m'envoyer le bleu ici aussi, comme ça, on va être nickel. Mais non, mais reprends pas le geyser, mais Olimar. Olimar, tu casses les couilles, tabarnak. Ok, nickel. Ouh. Alors, ça c'est fait. Bon, lui. Mais il y en a encore. Il y en a encore qui sont là-bas, quoi. Eh oh, les gogoles, faut venir. Merci. Oh, l'enfer, les gens. L'enfer. Je sais pas comment on faisait à l'époque, quand même. Parce que là, honnêtement, là, waouh. Truc de fou. Je pense qu'on va faire un truc, les gens. On va ranger les rouges. On va prendre juste quelques jaunes. Comme ça, on aura les rocs. Voilà, de toute façon, les rouges, ils ont pas besoin. Ils ont plus besoin d'être farm. Voilà. Et on va ranger 2-3 jaunes. Voilà, et puis on va garder les bleus. Parce que les bleus, ils ont grandement besoin d'être farm. Voilà, on va garder 10 jaunes sur le terrain et on va prendre le reste en jaune. On va prendre le reste en bleu. Voilà, nickel. Allez, regarde-moi ça et... regarde-moi ça. Pas possible, ça.
Ça, ça va être ça, ça va être malaisant, ça. Allez. Ok, nickel. Ok, c'est bon. Ouh, on a réussi. On galère, mais on y arrive. Voilà, nickel. Bon, en attendant, Touk, on va faire comme ça. Les bleus, les jaunes vont venir avec nous. Putain, c'est déjà midi, on a même pas encore récupéré le machin. Hein. Et la journée va être très très peu productif cette journée-là, les gens, mais... on va y arriver, les gens. Ne vous inquiétez pas, donc vous... Vous prenez ça. C'est bon, vous avez compris ? Hop là, nickel. Hop. Allez, on va péter le pont. Enfin, on va péter le pont, on va péter le mur. Vous êtes les rois des débiles. Vous êtes les rois des débiles. Et il est mort. Ok, c'est bon. Bon, est-ce qu'il y a un truc à péter là? Mais il y a des trucs là. Mais il y a des trucs sympas. Il y a un palais de vin rouge là. Ok, ok. Bon, allez. Donc ça, du coup, c'est fait. Ça du coup c'est fait, donc on va pouvoir aller chercher les bleus et on va pouvoir faire tout ça là. Attends, mais par hasard. Attends. Voilà. Vas-y. On va ramasser ça. Les gens, on y arrive, voilà. En fait, il fallait un petit peu d'organisation. En fait, j'ai trop l'habitude du gameplay de Pikmin 3, c'est surtout ça, en fait. Ça doit être ça qui doit me bloquer, en fait, parce que j'ai... Étant donné que j'ai beaucoup joué à Pikmin 3, je dois être paumé, en fait, dans tout ce qui est touché, tout ça. Il y a un palais de vin jaune. Oh la vache, les gens, mais cette zone me met trop bien au niveau des palais, c'est un truc de fou. Ok. Ok, nickel. Donc là, on va faire un truc. Voilà. Normalement, ça... Oh, quoi, c'est tout ? MDR ! Bon, alors, attends. On va faire un truc, les gens, de toute façon. On a le temps. Hop. On va ramasser ça. Et on va aller chercher des jaunes. On va chercher des jaunes, des rouges. Voilà, nickel. Hop, vous ramenez ça. Et moi, je vais chercher les jaunes. Et pendant que les jaunes vont péter le mur, eux, ils vont pouvoir faire des Pikmin avec le palais de vin. Et du coup, on sera nickel. Venez-vous. Mais pourquoi il y a des Pikmin qui sont éparpillés, OMG. What the fuck, les amis? Voilà, on va prendre le max de rouge. Voilà, 59, ça sera pas mal. Puis au pire, dans le pire des cas, on aura juste à les défarmer. C'est bon? Ok, 63. Ok, donc on passe par là. Hop, petit tournis caméra. Ok, nickel. Et là, comme par hasard, il y en a qui ont pas suivi. Donc du coup, il va falloir que j'aille les chercher. Voilà, qu'est-ce que je disais? Regarde. Regarde le nombre de Pikmin qui me suit pas. C'est un truc de fou, ça. Dans le 3, ils sont plus stackés que ça, en fait. C'est dommage qu'ils sont pas plus stackés que ça dans cette version. Voilà. Et là, du coup, hop, vous allez vous mettre là-dessus. Comme ça. Pendant ce temps-là, vu qu'ils sont là-dessus, on va pouvoir aller chercher les bleus et on va ramasser, du coup, tout ce que nous avons à ramasser. Et ça va vraiment être la fin du jour, donc il va falloir qu'on se dépêche. Donc c'est pour ça que, si les rouges s'occupent de créer un raccourci, ça va nous être fortement utile.
Ok, parfait. Donc le raccourci a été créé. Là, il y a encore un rouge, là, putain. Ok, nickel. J'en ai encore la moitié qui est plus là. Bon, attends, ça, est-ce que ça se ramasse? Putain, j'avais oublié, il y a un rouge avec nous. OMG. Ok. Bon, on va faire un truc. Évidemment. Oh putain, je vais vraiment pas avoir le temps, fais chier. Voilà, on va faire comme ça. Puis il y a un palais de vin à récupérer, quoi. Je rêve ou je viens de faire un carnage de bleu, là. J'ai fait un carnage, ok, c'est super ça, merci les gars, ça fait plaisir. Donc là du coup ça veut dire qu'on a un jour de foire à cause de ça là. Je suis vraiment pas content de... Est-ce qu'on peut la recommencer? On peut pas recommencer les jours. Oh ça fait chier ça, putain. Ça fait chier ça, putain, pourquoi? Puis non, j'ai plus assez parce que du coup, tous les bleus sont morts. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je continue, quoi. Putain. Ah, ça fait bien chier, ça. Allez, vas-y, hop, on va au coucher. On va au coucher, là, c'est bon. Ok, bon, les gens, pire journée, tu vois. Là, la pire journée, on a perdu les trois quarts, on a perdu tout ce qu'on avait réussi à farmer au niveau des bleus. Les bleus, je crois, c'est l'un des Pikmin qui vont le plus galérer à être farmés. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça. Puis là, je te suis... Puis là, on paraît combien que là, on a perdu des Pikmin parce qu'ils se sont égarés, là, parce qu'ils sont incapables de nous suivre. Allez, vas-y, combien? Vas-y, qu'on rigole un peu, là. Seulement 3, ok, ça me va. Ah, d'accord, il y a des casquettes qui se pèsent la gueule dans mon décor, trickel. Tranquille. Jour 7 depuis le crash, horreur, l'explosion d'une bombe rock a englouti mes Pikmin. Leur expression horrifiée restera gravée dans ma mémoire à jamais. Je dois revoir la procédure, les procédures d'utilisation des boom rock pour que cela ne se reproduise jamais. Quand j'appuie sur ah, gna gna gna, en gros, tu utilises les boom rock et tout ça, super. Merci Olimar de nous rappeler que nous sommes le roi des noobs. Voilà, mais bon, je t'avouerai que là, les Pikmin, ils sont pour quelque chose aussi à un moment, quoi. Bon, au bout d'un moment... Bah, en même temps, après, je savais pas trop qu'est-ce que c'était cet ennemi, quoi. Est-ce que j'avais prévu que le gars allait refermer allait se refermer, puis il allait bouffer les Pikmin? Bah, du coup, non. Mais là, du coup, on a plus de Pikmin bleu, donc on va sauvegarder, les gens. Et je vous propose un truc. Bah, c'est qu'on va enchaîner directement avec le jour 8. Ça nous fera un gros épisode, là, pour ce jour-là. Quoique, attendez, que je regarde un truc. 23. Non, ouais. Bah écoutez, les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode quand même. Voilà, malheureusement, voilà. Parce que c'est vrai que là, du coup, ça n'était pas un très bon épisode. Mais on se rattrapera au prochain épisode. On va aller chercher cette putain de pièce, les gens. Je vous le dis, on va aller chercher cette putain de pièce. Je le veux. Je veux cette pièce. Voilà. Donc. On ira chercher cette pièce au prochain épisode, et puis, bah sur ce, comportez-vous bien, et c'était Dégamer France qui vous dit, bah au prochain épisode, allez, sur ce, comportez-vous bien, et à la salista, salut tout le monde!
Voilà, et comme ça on va pouvoir commencer un nouvel épisode. Hop, nouvel épisode, c'est parti! Let's go! Bonsoir, bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cet épisode 8, l'épisode où on va tout simplement se venger, il faudrait la cam. Oh là là, oh là là, la cam qui arrive. Oh là là, oh là là. Hop, yo tout le monde! Yo tout le monde, voilà, bienvenue dans cet épisode 8 de Pikmin 3 où... Bah dans le dernier épisode, on a fait littéralement un carnage de bleu, donc il va falloir qu'on les refarme. Comme si on n'avait pas assez de jours de perdu. Donc, bah c'est pas grave, on va y aller, on va y aller. Petit rappel, du coup, nous étions dans le site du crash, du coup, on y avait été... on y était retourné justement parce que... bah on avait des choses à faire et puis malheureusement, il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on referme les Pikmin. Oh putain, par chance, on a des palais. Oh, par chance, on a les palais qui ont respawn. Ah, ça fait plaisir, ça. Par chance, les palais ont respawn. Ça fait plaisir, ça. Donc, les bleus, ils sont là. Hop, on va prendre des bleus. Voilà. Nickel. De toute façon, c'est des palais de vin, donc il nous va falloir une plante. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Allez, on va farmer un peu les... On va farmer un peu ça. Ouais, bah vous, hein. Allez-y dessus, hein. Écoutez, j'ai envie de dire. Vous voulez vraiment pas y aller, là? Allez, allez. Aidez votre pote, là, allez. Ok, nickel. Bon, vous, en attendant... Tac, toi tu vas là, toi tu vas là, hop, nickel. Allez, vous me farmez ça. Toi tu vas où toi? C'est là que tu veux, c'est là que je veux que t'ailles. Ok, nickel. Ok, boum, 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 voilà, nickel. Ok, allez. Les gens, c'est journée fructueuse aujourd'hui. Les gens, c'est journée de rattrapage, là on y va. Ok, nickel. Donc là on ramasse ça. Il y en a 26 sur le terrain les gens, je pense qu'on va pouvoir récupérer le palais. Hop, on va... Il ramène le palais, très bien. Ah bah c'est un palais de 10, ça va très bien. Du coup, attends, hop, on va... Allez, c'est où le truc? Ok, il est là. Attends, mais quoi, le truc, il s'était redéfait. Ok, nickel. Ah, mais oui, mais il y a tellement de trucs à récup encore ici. Arrête d'aller là-dessus. Merci. Ok. Donc là du coup les gens, on ramasse encore des Pikmin bleus et on va tout simplement récupérer les autres palais parce que ça nous fera des Pikmin supplémentaires là. De toute façon là les gens, notre objectif c'est de monter les bleus à 100 là, c'est bon. Là au bout d'un moment les gens, j'ai envie de dire, perdre des journées comme ça, moi ça ne va pas du tout là. Allez hop, vous grimpez, et que ça saute, nickel, moi je vous rejoins de l'autre côté. Nickel. Alors, il va nous falloir une équipe de 10 ici, une équipe de 10 là. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok, nickel. Et là, du coup, vous vous occupez de ça. Allez, allez, on s'occupe de ça, on s'occupe de ça. Et on ramasse, on ramasse, on ramasse. Ok, nickel. Là. Bah là, les gens, au moins, on va en avoir des Pikmin bleus. Là, c'est pareil, on va me faire une équipe. Ah, ou alors, attends. Putain, si je peux passer là. Putain, je peux passer là depuis tout à l'heure. Je me fais chier. Alors que je me faisais chier la dernière fois, dans le dernier épisode, incroyable. Ok, nickel.
Ok, parfait. Là, on en a un. Parfait, là on en a d'autres. Ok, ok. Là les gens, là c'est vraiment du farm. Hein. C'est vraiment du farm intensif, là c'est cet épisode là, mais de toute façon faut qu'on récupère ce qu'on a perdu. Hein. Allez, on récupère. Merci messieurs. Voilà. Donc là, on est à 65 bleus. C'est plutôt pas mal. Mais on peut être plus. On peut être vraiment beaucoup plus. En vrai, les gens, mon objectif, c'est vraiment de farm à mort les bleus, quoi. Mais en plus, c'est bien parce que pendant que je suis en train de cueillir ça, les autres graines qui viennent d'arriver, ils sont en train de pousser. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, nickel. Les gens, on y arrive, hein. Des gens, on a un truc. Voilà, on a 69 Pikmin. Et il va nous en manquer. Pourquoi il nous en manque? Parce qu'il y a sûrement des abrutis quelque part qui sont paumés. Voilà, déjà, il y a 5 abrutis qui sont rendus là. Tu sais pas pourquoi. Voilà, tu viens là. Voilà, là ensuite, t'en as deux ici. Tu sais pas pourquoi. Et t'as le reste ici. Voilà, nickel. Et t'as un palais à ramasser là. Merci. Allez, merci. Ensuite, là, ici, il n'y a plus rien. Si on va là, ici, il n'y a plus rien. Je pense, en vrai, les gens, on va pouvoir aller chercher le palais de vin. Hein. Je pense, honnêtement, les gens, on est prêts pour aller chercher le palais de vin. Donc, écoutez... On va poser tous les Pikmin ici. On va poser les Pikmin ici, comme ça on va pouvoir faire le tour et puis comme ça on va pouvoir ramasser ce que nous avons besoin. Putain, j'espère par contre qu'on va pouvoir parce que sinon c'est vraiment de la merde. Hein. Voilà, et toi tu viens. Ok, donc il faut qu'on aille là-bas. Nickel. Oh merde. Hein, c'est bon. Nickel. C'est quoi ce merde? C'est quoi ce truc? C'est pas si fixe ça? Qu'est-ce que t'es? Oula, 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 oula. Non! Non, 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 reviens, reviens! Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ok, bon, et bah c'est pas grave, on va faire le tour. C'est pas grave les gens. C'est pas grave, de toute façon on a notre temps, c'est pas grave. De toute façon on était là juste pour une pièce de base les gens, donc écoutez, moi ça me va, hein. Voilà. Ok, nickel. Par contre, c'est quoi ce mob là? Je le connais pas celui-là là. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est agressif. C'est un Pikmin ça? Tiens, mange tes morts. Ok, ouais, donc effectivement, c'est un mob qui apparemment, faut pas l'emmerder. Bon, on va faire un truc, déjà on va sécuriser ça. Voilà, nickel, et ensuite on va sécuriser ça.
Hop là, nickel. Alors attends. Hop là, nickel. Et là, il nous en faut 19. Qu'on peut récupérer là. Et vous, vous me récupérez ça. Parce que tant qu'à faire plus de Pikmin, au moins, on aura ça de fait. Et toi, tu donnes quoi, toi? Parce que maintenant, faut que je fasse gaffe. Ok. Je suis vraiment en train de jouer avec le feu. Hein. Je joue vraiment trop avec le feu. Non, mais non, mais c'est pas le moment. Ah non, la pièce du vaisseau qui se ramène. Ouais, du coup, on a quoi? Le positronator. Ce générateur est si puissant que l'on peut prendre une décharge électrique sans le toucher si on s'en rapproche. J'ai trouvé cette pièce sur 30. Il m'en reste encore 5 à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. Nickel. Putain, allez. Trop tard. Oh la vache. Mais genre je joue beaucoup trop avec le feu, c'est un truc de fou. Attends, et du coup ça donne quoi ça? Ah, ils en font 3. Ils en font 3. Ah mais quoi, il y a un autre coquillage ici, MDR. Bon attendez, on va ramasser les Pikmin. Ah bah c'est bien, en plus on en a 100 sur le terrain, donc écoutez les gens, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire mon copain. Donc alors attends, vous allez venir, voilà, vous allez venir, voilà, nickel, et vous allez venir. C'est bien, on a tout ça déterré. Ça c'est la joie et la bonne humeur ça. Ah j'adore ça. Hop, nickel. Hop. Ok, parfait. Donc ça c'est fait. Et donc là du coup j'ai plus qu'à aller là-bas. Sauf que on a un vilain pas beau qui nous bloque. Donc je propose un truc, c'est qu'on va péter la gueule au vilain pas beau. C'est vrai qu'il y a un palais de vin ici qu'on pourrait récupérer. Mais là je pense niveau Pikmin bleu on est plutôt pas mal là. C'est un truc de fou quand même. Comment ça se fait que Nintendo ils ont pas pensé que les Pikmin bleus étaient tellement cons qu'ils n'arrivaient pas à se regrouper pour éviter de tomber hein. Mais non, mais venez pas vous, bande d'abrutis. C'est déjà assez galère comme ça, venez pas. Bon attends. Hop, allez-y, attaquez-le. Il va die, il va die. Oh, oh quoi, il est enterré. Ah, il enterre les Pikmin, le bâtard. Ok, ok. En vrai, ça va, c'est pas un gros mob, c'est bon, il... Par contre, là, j'ai 100 Pikmin à redéterrer, là, OMG. Ça va être long, les gens. Ah, je vous le dis, ça va être long. Bon, on va faire un truc. Voilà. Oh, j'ai tout ça à déterrer, les gens, OMG. Oh, mon Dieu, que ça va être super long. Ah. Allez, allez. Allez, on déterre. Déterrer comme jamais. Déterrer comme jamais. Déterré comme jamais. Nickel. Allez, on est parti.
Donc, vous, vous avez besoin d'aide. Voilà, nickel. Et vous, bah vous savez quoi, vous allez attaquer le machin. C'est nickel. Pourquoi vous l'attaquez pas? C'est nickel. On va éviter de refaire la même connerie que la dernière fois, les gens. On va y aller doucement, mec. Hey, yes! Là, bah, y en a beaucoup qui sont barrés. Putain, c'est une blague! Mais je suis vraiment une merde avec ce coquillage de merde! Bon, allez, finissez-le, là. Voilà, nickel. Hop, vous me récupérez ça. Hop là, nickel. Vraiment, je suis pire des enfoirés, hein! Allez, allez. Bon, en plus, c'est le coucher du soleil. Oh, yes. Non, putain, il a encore bouffé des Pikmin. Mais, prenez ça. Ok, est-ce que j'en ai oublié? Non, j'en ai pas oublié. Ok, bon, que ils vont pouvoir y aller. On va passer par là parce que je sais qu'il y a des Pikmin qui sont là-bas. Ok, on a 443 Pikmin. Ce qui est plutôt pas mal. Là-bas. Donc, vous, c'est bon. Donc, 36. Il m'en faut 100. Soixante-six, soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, soixante-dix, soixante et onze, soixante-douze, soixante-treize, soixante-quatorze, soixante-quinze, soixante-seize, soixante-dix-sept, soixante-dix-huit, soixante-dix-neuf, quatre-vingt, quatre-vingt-un, quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-six, quatre-vingt-sept. Bon, bah on a perdu 10 Pikmin, je sais pas où ils sont, mais on aura rattrapé notre connerie et on aura bien farmé. Donc, ce qu'on fera la prochaine fois, les gens, c'est qu'on ira dans l'autre zone, voilà, avant de continuer par la suite. On ira dans l'autre zone, comme ça, après, on aura juste à se focaliser sur la recherche de pièces dans chaque zone, les gens, comme ça, on sera plutôt pas mal. Voilà, nickel. Donc ça, c'est fait. Comme ça, nous, on va pouvoir récupérer. En plus, notre vaisseau, il commence à sérieusement avoir de la gueule, là. Donc, je suis plutôt content. Hein. Attends, quoi? Attends, mais on en avait 100 sur le terrain, mais... Il n'y en a qu'un seul. Je sais pas. J'ai pas observé que parfois, la feuille au sommet de la tête de Pikmin se transforme en bouton, puis en fleur. Il semblerait que si je ne cueille pas les pousses... Pikmin, elle fleurit, c'est fascinant. Ce mélange de plantes et d'animaux est tout à fait unique dans l'univers. La vitesse accrue des Pikmin fleurs est extrêmement utile. J'ai également pu ramener quelques... J'ai également pu remarquer que certains Pikmin fleurs tombés au combat laissaient des graines qui, quelques jours après, germaient. C'est pour ça que je trouve parfois des pousses de Pikmin plus sur d'anciens champs de bataille. Mais non! Les Pikmin fleurs permettent de germer, de faire germer d'autres Pikmin, donc c'est pour ça, donc comme ça. Mais what? Quoi? 233 Pikmin bleus? Ah oui, bah c'est bon, on a fini. C'est bon, les gens, on a fini farm, là, donc là, maintenant, on est plutôt pas mal. Hein. Mais wesh! Wouah, je suis choqué. Eh, les gens, on s'est bien... En vrai... On est en retard. On est en retard, les gens, parce qu'on est jour 9, on a que 7 pièces de vaisseau. Donc, c'est-à-dire, on a 2 jours de retard, donc il va falloir qu'on charbonne à mort pour récupérer le maximum de pièces pour repartir en avance. Mais en tout cas, cette zone, elle est faite.
Donc la prochaine fois les gens, on s'attaquera à la forêt de l'espoir parce qu'il nous reste 4 pièces à retrouver et je suppose qu'il nous fallait les Pikmin bleus. Donc on ira faire une petite expédition avec 100 Pikmin bleus la prochaine fois les gens et puis nous verrons ce que ça donne. Tac tac tac. Bonsoir Tetralox qui est parmi nous dans le chat, comment ça va mec? Et bonsoir Doudi d'ailleurs qui est parmi nous dans le chat. Bienvenue les mecs. Bienvenue, bienvenue. Voilà. Du coup les gens, je vous explique, là je fais juste l'outro de la vidéo parce que du coup en fait pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne comprennent pas, voilà j'ai mis en pause le rec. Mais en gros, nous sommes actuellement en plein let's play sur Pikmin 1. Voilà, il va y avoir le 2 et le 3 qui vont être faits à l'occasion de la sortie du Pikmin 4, voilà. Et ce qu'on fait en fait c'est que le let's play se passe durant les lives, c'est-à-dire je rec le let's play. Voilà, en mode full rush, et je le poste sur YouTube. Il y a déjà 6 épisodes qui est prêt, voilà, et ça sort à partir du 14 mai, ça sortira toutes les semaines. Voilà, de toute façon, j'ai fait une annonce sur la chaîne VOD à propos de ça. Et donc là, du coup, que je vous explique, en gros, chaque épisode, c'est très simple. À la fin de l'épisode, je coupe la cam. À la fin de l'épisode, je coupe la cam, je me mute 2 minutes, voilà, le temps que j'arrête le rec, et je relance juste après, voilà. C'était juste pour vous prévenir. Sinon, comment ça va les gens? Comment ça va Tetra? Comment ça va Doudi? J'espère que vous allez bien les gens. Voilà, moi, je relance. Donc du coup, ouais les gens, ça va être la fin de ce live, voilà, ça va être la fin de ce live. Non, la fin de la vidéo, pardon. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Voilà, c'était l'épisode 8 de Pikmin 1, voilà. Donc prochaine fois, du coup, on s'attaquera, comme je le disais, à la forêt de l'espoir. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Voilà, ça sort tous les dimanches, comme vous l'avez remarqué. Voilà, ça sort tous les dimanches à partir de... à midi, voilà. À midi. Voilà, puis en vrai je pense que j'ai tout dit, donc écoutez, bah merci à tous d'être, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois, à la Stavista, salut tout le monde! Bonjour à toutes et à tous, c'est Digmar France, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce 9e épisode de notre let's play sur Pikmin. J'espère que vous allez bien les gens, nous sommes en compagnie de pas mal de gens. J'ai vu qu'il y avait Tetralox et Doudi qui sont dans le chat, voilà, je suppose qu'ils sont en lurk. Mais bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et que vous avez passé une excellente soirée durant ce let's play, voilà. Je rappelle que le let's play se fait actuellement en live sur ma chaîne Twitch, donc vous pouvez aller faire un tour si vous voulez, voilà. Donc aujourd'hui dans ce 9e épisode les gens, qu'est-ce que nous avions dit? Eh ben nous allions retourner dans la forêt de l'espoir les gens. On va retourner dans la forêt de l'espoir les gens parce que nous avons tout simplement une quête à faire. Voilà, on a 4 pièces à récupérer durant ce jour. Et je suppose qu'il nous faudra que les Pikmin 2. Donc écoutez les gens, le plan de bataille est carré. Donc on y va. Alors, j'aimerais bien y aller. Ah ok d'accord, j'étais pas sur le machin. Faudrait que je sois sur ma chance aussi. Voilà, allez, on va tirer dans cette région, les gens. Directement, on commence sans plus tarder. Je vais boire de l'eau parce que j'ai soif. Et aussi que je suis malade, que je suis enrhumé. Je dirais plutôt que c'est une angine que j'ai. Enfin bref. Verger de l'espoir. Comme je le disais, les gens, le plan il est carré, full bleu, et on est parti. En sachant qu'on dans le dernier épisode, on a fait le plan de bleu, étant donné que nous avons 200 bleus. Donc, on peut se faire plaisir. Donc, les pièces à récupérer. Donc, il nous faut une pièce par là. Donc, il va falloir qu'on a les bleus avec nous. Exactement. On a une pièce qui est là-bas. Donc, il va nous falloir aussi les bleus. Et après, on a d'autres pièces là-bas. Donc, écoutez les gens, comme je le disais, le plan, il est littéralement carré. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer à aller là-bas. On va attendre qu'ils arrivent tous. Ouais, donc c'est bien là-bas qu'il faut que j'y aille, donc en gros, faut que je prenne ce chemin, il faut que je prenne ce chemin-là, que je tourne là, et là, normalement, je vais arriver ici, voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir faire les affaires que je dois faire. Par contre, sans Pikmin, c'est chiant, voilà, c'est bon. En vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces Pikmin bleus? Bah, on verra.
Déjà ouais, on a des mobs. Ok, donc les mobs respawn. Ok, nickel. Donc prenez pas ça. On va juste... Putain, ils sont encore... Arrêtez avec ces plantes. OMG. Ok, ils vont tomber. Allez, go. Allez. Allez, on fonce les gens. On lâche rien. Il est en train de manger des Pikmin, les gars, faut s'affoler là. Go, allez. Nickel. Vous voyez quand vous voulez, vous pouvez. Allez, 1, 2, 3. Voilà, ensuite. 1 ici. Et là, j'en veux 10. Bon, j'en veux 8 du coup. Voilà, nickel. Ensuite, il faut que j'aille par là, je crois. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Il faut que j'aille là pour après aller par là. Allez hop, c'est parti. Voilà, et c'est là où les affaires vont pouvoir être marrant. Donc vous êtes là, vous me pétez ça. Et là je crois qu'on a un petit raccourci juste ici. Voilà. Et là du coup on va pouvoir aller récupérer les Pikmin bleus qui sont en train de se faire reproduire. Nickel. Vous voyez les gens là, on est très dans le farm là en ce moment. On est très dans le farm, les gens, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir, les gens. Hop là. Excusez-moi, les gens, vous avez peut-être un petit fond noir, ça va revenir. Voilà, nickel. Quoi, ils ont déjà fini? Oh la vache, j'avais pas prévu que ça se termine vite. Bon, on a perdu quelques bleus dans la bataille, les gens, c'est pas grave, on a pu récupérer tout ça. Bon en vrai il y a deux graines qui vont germer ici. C'est pas grave les gens, on va pouvoir quand même aller chercher nos amis les bleus. Les bleus qui sont où? Parce que eux les bleus au moins ils gagnent le foot. Eux. Voilà, ils sont là. Et là du coup on va avoir une première pièce qui va se trouver normalement juste derrière ce mur. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde. Bon attendez. Hop, occupez-vous du grillage, moi je reviens, je vais chercher des potes. Je sais pas les gens qu'est-ce qui se passe derrière ce grillage les gens, mais j'ai très très peur de ce que je vais rencontrer. Hein. Les gens, je vais pas vous le cacher là, je suis pas seringue là. Je vois une énorme bestiole. S'il faut que j'explose, s'il faut que j'y arrache la gueule, je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que ça va bien se passer. En sachant que j'ai que les Pikmin bleus et que c'est pas les plus forts en combat. Il m'aurait fallu des rouges pour ça, mais c'est que le problème, les rouges, bah déjà, ils peuvent pas nager, et puis... Bon, voilà, quoi. On va pas se cacher. Ah, mais attends. Ah, mais si, en vrai, je pourrais les faire lancer là, et puis comme ça... Bon, écoutez, les gens. J'ai envie de dire, on a pas mal de bleus, donc autant s'en servir, quoi. Bon, au pire. Vous allez aider votre pote. Aidez-le, là. C'est nickel. Et ici, on a quoi? On a plein d'ennemis. Là, on a plein d'ennemis. Là, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Bon, attends, on va faire comme ça. Est-ce qu'on peut admirer la créature? Bon, qui es-tu, toi? Ouh, c'est que t'es moche, toi! Oh là là, mais c'est que t'es un petit peu moche, Billy! Qu'est-ce que tu es? On dirait un Sniffit qui a enculé une tortue ninja, nom de Dieu! Tu es dégueulasse, Michel! Tu es très très dégueulasse! J'ai l'impression que toi, tu vas faire face à un petit screenshot. Hop là! Allez, mon cher Sniffit, est-ce que je pourrais avoir un petit screenshot, là? Oula. Ok. Ok, je pense que c'est rare. Oh, wow. Hey. Ok, go. Putain, je peux pas l'avoir. Ok, retrait stratégique, ok, il fait rien comme dégâts. Ah, ou alors il faut des bombes rock. Ah mais attends, mais il y a des bombes rock au moins dans les parages? Non, il n'y a pas de bombes rock. Attends, comment je vais faire? Bon, c'est pas grave, hop, on va faire ça.
Alors, enfin, mon cockpit NBC, il filtre les mauvaises radiations de l'espace et les transforme en rayons infrarouges. Je dormirai comme un bébé quand je l'aurai réinstallé. Hop là, nickel. Donc on va récupérer ça, hop, il nous en faut 30, hop, on y met 50 dessus, comme ça c'est parfait. Arrête de te battre, toi, ça sert à rien. Ok, il sacrifie, Non. Vite. Amenez ça! Ils sont coincés à l'intérieur. Non, c'est bon. Attends. Vas-y, vas-y, on l'occupe, Vas-y, On l'occupe, Vas-y, je l'occupe. Allez-y. Les gens, convoi exceptionnel. Convoi exceptionnel, les gens, c'est parfait. Gogo, c'est nickel. Non, 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 par là, Eh oh! On a perdu Pikmin. Les gens là, on a perdu des bleus là, mais ça valait le coup. C'est bon. Putain, mais comment je peux faire pour l'avoir celui-là en fait? Je peux pas l'avoir là. Parce que le machin il est en métal hein. Comment on fait pour l'avoir celui-là? Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave les gens, on aura tenté un truc. Bon, eux ils vont ramasser ça les gens. On va se débrouiller les gens. On va réussir. On va rappeler je pense qu'on va rappeler des bleus en fait. Parce que du coup je crois qu'il va nous en falloir encore plus. Bon, heureusement qu'on a fait le plein de bleus. Hop là, nickel. Heureusement qu'on a fait le plein de bleus, comme je le disais. Ok, nickel. Donc, le cockpit, il est de retour à la base. Ça fait plaisir. Cockpit NBC, je dois l'inspecter pour m'assurer qu'il n'y a aucune fissure. Un seul défaut et je me fais irradier comme un grotz au micro-ondes. J'ai retrouvé 8 pièces sur 30. Il m'en reste encore 4 à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. Et on est qu'au début de la matinée. Et ça, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'ils font eux? Putain, ils sont encore en train de taper l'herbe. Ok, nickel. Ensuite. Putain, faut que j'aille là-bas. Fuck. Eh ben, on y retourne, les gens. Allez hop, on y retourne. Faut qu'on aille là-bas. Donc faut qu'on aille là, ensuite faut qu'on tourne là-bas. Alors on va juste attendre parce que là, il va y avoir un problème sinon. Non, c'est pas là. Pourquoi c'est pas là? Si, c'est là-bas, Ok, autant pour moi. Donc lui... Allez, on est parti. Allez. Putain, il mange des Pikmin. Les gars, faut le tuer là. Putain. C'est dingue parce qu'à chaque fois, ce mob il arrive à me faire bouffer des Pikmin, c'est un truc de fou. Ok, lui il a pas bouffé mon Pikmin. Donc là, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Je ne sais plus. Putain, c'est pas là-bas qu'il faut que j'aille. En fait, là j'ai juste. Prenez pas ça, on n'a pas le temps. Que je regarde. Putain, ouais, c'est ça. Faut que je fasse le tour, en fait.
Faut que je fasse le tour, donc c'est-à-dire qu'il faut que je passe par là pour aller là, ok. Ok, ok. Yes! Ça fait plaisir, ça. Donc c'est là. Quoi? Attends, quoi? C'est là, là? Mais je peux pas passer, là. Ah si, attends, je peux passer. Si, je peux clairement passer, en fait. Attends, mais... Comment je fais pour passer? Attends, je comprends pas, là. Y'a un truc qui bloque, là. Parce que là, je peux pas passer, là. Ah, ou alors, attends. Ah, mais si! Ah, mais si! Mais si je monte là-dessus, je peux! Mais oui, mais tout est logique, en fait, OMG! Donc, du coup, j'ai plus qu'à les lancer. Voilà, comme ça, je peux monter sur la bûche et je vais pouvoir y aller. Ok. Donc là, du coup, on aurait 9 pièces de récupérer. Il nous faudrait une 10e pièce, là, du coup. Est-ce que c'est faisable? Moi, j'ai envie d'y croire. Bonsoir, si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait 6 fois de renfort. Comment ça va ici? Bah, écoute, mec, ça va très bien, mon cher Patio. Un peu la crève, mais tranquille. Voilà. Sinon, bah, ça va. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de péter ça, mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Arrêtez de péter ça! Eh, je vais vous en coller une! Merci! Voilà, donc ça c'est quoi? J'ai l'absorbeur de choc. Cet appareil annule les vibrations et le balancement du Dolphin pendant le vol, ce qui en fait un vaisseau très confortable et agréable à piloter. Du coup, comme je le disais, Patio, moi ça va très bien. Écoute, j'espère que toi tu vas bien de ton côté. Hop, pardon, excusez-moi, j'ai foiré le jeu. Hop là, nickel. Non! Tu vas pas là-bas! Ça va pas, non! Ok, nickel. Donc on va attaquer ça là, parce que là du coup là les gens ils s'apprêtaient à aller tout droit dans un piège là. Allez. Putain, il est encore en train de bouffer des Pikmin. Voilà, donc. Nickel. Donc là 10 et 20 Pikmin, là on en a 26, ok c'est parfait. Bon, on en a vachement 26, hein. Ah, ok, c'est qu'ils sont là, ok, c'est qu'ils étaient derrière, ok, pas de soucis. Donc là, c'est fait. Ça, c'est fait, donc là, j'ai plus de machin. Là, j'ai plus de pièces, ça, c'est sûr. Là-bas, il faut que j'aille là-bas. Hop, on y va. Et voilà, j'en ai qui sont perdus. Putain de merde. Bon, on va dire qu'ils sont là-dedans, hein, écoute. Donc, normalement, c'est pas de ma faute. Alors, ah, j'ai l'impression qu'on a une carapace de Koopa ici. Bon, écoutez, hop, on va faire un truc. On va demander à ceux-là de péter le pont. Voilà, comme ça, on va pouvoir se charger des autres pièces. Là, on a quoi d'autre? Donc, on a cette pièce-là et on a une autre pièce qui se trouverait par là. Mais du coup, comment je fais pour pouvoir y accéder là? Parce que là, je peux pas. Là, on est d'accord. Ok, donc on a ça déjà, de mis. Ok, nickel. Donc on a une nouvelle pièce de raculté. Absorbeur de choc, ce petit appareil est responsable du confort du vaisseau. Plus de tangage ni de roulis. J'ai retrouvé 9 pièces sur 30. Ok, donc du coup on est de retour dans les temps. On est de retour dans les temps, donc c'est-à-dire que maintenant ça va être à nous de jouer. Putain, en vrai, je sais pas comment c'est possible. Hein. Parce que là, du coup, on peut pas aller sur le rocher. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je balance des Pikmin. Mais, où est la pièce? Où est la pièce de vaisseau dans tout ça? Ah, mais non, j'ai juste à faire le tour. Putain, je suis débile. Mais oui, j'ai juste à faire le tour. Ok, bon, bah, c'est bon, alors. Donc, ils vont s'occuper du pont. Et nous on a juste à aller récupérer les Pikmin. Et on fonce chercher la pièce. Et les gens, on a potentiellement terminé la zone aujourd'hui. Hein.
Là, les gens, je vous le dis, là, on a terminé la zone aujourd'hui. Si on se démerde bien, les gens, on a terminé. Ok, nickel. Voilà. Et là, du coup, il faut qu'on aille... Oh, faut qu'on fasse le... Ah non, on n'a pas besoin de faire le tour. En fait, on a juste à aller là-bas. Voilà. Ensuite, là-bas. Donc là, on trace sa grand-mère ici, sans réveiller les bestioles. Ensuite, faut tracer à gauche. Est-ce qu'on est 71? J'ai l'impression qu'on avait 71, donc écoutez, hop. Évidemment, faut qu'il y a des abrutis qui se cognent et qui se coincent dans les murs. Là, voilà. Ah, pourquoi vous faites ça? Ok, alors. Là. Faut qu'on pousse ça. Allez, allez. Poussez-moi ça, poussez-moi ça. Pousse-moi ça. Ok, nickel. Donc là, on va pouvoir passer. Donc attends, on va faire plusieurs groupes. Non, c'est un boss. Ok, je m'en vais. Salut, à plus. Et en plus, j'ai pas le temps... Donc, on va faire un truc, les gens, vu que j'ai plus trop le temps. On va faire le tour là-bas. Je vais demander au Pikmin de serrer vers la gauche. Non, vous venez là. Ok, c'est bon. On a encore les 11. On a encore les 71, donc on passe par là. On va aller voir si notre pont il est terminé, là. Si notre pont il est terminé, les gens, on sera très 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 en avance. Mais faut qu'il soit terminé. Putain, il sera jamais terminé. Putain, il sera pas terminé. Oh, pinampe, en plus, faut que je fasse ce côté-là. Oh, mais non, mais là, attends. Ah, mais là, c'est la merde, là. Je reconnais, c'est la merde. Ouais, ouais, ouais. Bon, les gens, au moins, on sera encore dans les temps. On sera encore dans les temps, et prochain épisode, on pourra être en avance. Parce que là, du coup, on a un boss. Parce que là, du coup, les gens, qu'est-ce qu'on a après? On a un boss... Déjà, pour commencer, donc il va nous falloir toutes les espèces de Pikmin. Et on n'aura qu'une pièce à faire. Et là, on aura terminé cette zone. Et là, du coup, on pourra aller dans la zone précédente. Dans la prochaine zone. Donc écoutez, les gens. Moi, j'ai envie de dire que cet épisode termine plutôt bien. Les Pikmin ramènent toujours leur proie à leur oignon. J'ai remarqué que lorsqu'ils rapportaient des palets de nourriture de la même couleur que à leur oignon, celui-ci produisait plus de graines que d'habitude. J'ai aussi découvert comment grouper les Pikmin par couleur, maintenez A pour en attraper quelques instants ou pressez X pour tous les disperser. Attends, quoi? Et ce gros groupe par couleur. J'ai peut-être une astuce qui pourrait m'aider. Bon, là, du coup, la décasse danse des bleus, mais on est encore bon. En fait, là, je sais pas comment ça va se passer pour les rouges et jaunes, là, parce que là, du coup, ça va être ultra compliqué de les faire venir sans qu'il y en a un qui se foire. J'en suis sûr, à tous les coups, t'as un abruti qui va se foirer. C'est sûr et certain. T'as toujours un abruti qui est là pour se foirer. Je pense que les gens, on va commencer par un truc, on va terminer les ponts,
Voilà, pour on va terminer les ponts, donc c'est-à-dire on va prendre tous les bleus et on va terminer le pont. Et après, on répartira avec les jaunes et rouges. Et puis on essaiera d'affronter le boss sans perdre beaucoup de Pikmin. Donc... Comment ça, je peux en avoir quelques... Oh, il y a des Pikmin qui ont germé quelque part, super. Oh, là-bas. Ah, mais oui, là-bas, du coup, il y a des Pikmin qui ont germé. Mais attends, mais là-bas, il y a le boss. Putain, non, c'est la merde, ça. Ok, bon, faut que j'aille là-bas. Dans tous les cas, faut que j'aille là-bas. Alors. Allez, hop. Ça, ça dégage. Hop là, nickel. Donc là, c'est bon. Ok. Donc là, du coup, je vais chercher le reste et on va pouvoir continuer à avancer. Ok, nickel. Voilà. Donc. Ici. Donc eux, ils ont terminé le pont, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'attaquer à l'autre côté du pont. Autre côté du pont que, normalement, nous pouvons atteindre. À partir de là. C'est un flop. Ok, bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, et on va tout simplement... les ramasser. Ah mais attends, mais je suis débile en fait, j'ai juste à faire ça et puis normalement ils sont... capables de le ramasser. Si je les siffle et que je leur dis de partir à l'assaut. Donc attends, on va en mettre un maximum. Voilà, et là normalement, s'il y en a un qui est pas con... Ok, bon, ils sont cons. Ok, nickel. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'intégralité, hein. Voilà. Allez, 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 allez. Nickel. Ok, donc ça, du coup. Hop là. Et là, du coup, on va pouvoir y aller et on va pouvoir récupérer la... nouvelle pièce qui va nous permettre de nous remettre dans les temps. Voilà. Donc du coup, ça fait que ceux-là vont venir et ceux-là vont venir. Voilà. Donc là... Oh, mon Sagittaire ! What ? C'est mon fils qui me l'a donné, c'est pour que je pense à lui en voyage. Ça me donne envie de rentrer sur Okotait. Ouais, bah pour l'instant, ton vaisseau il est en miettes, donc tu vas pas faire long feu. Tu vas pas faire grand chose, mon salaud. Donc ça, c'est fait. Ça, les gens, c'est fait. Maintenant, les gens, ce que nous allons faire. Oh, putain, ils sont encore en train d'attaquer des pauvres plantes. Putain. C'est ce que je retiendrai de ces let's play, les gens, c'est les Pikmin qui sont racistes de la nature. Donc du coup... il n'y a plus qu'à attendre qu'ils le ramènent. Au pire, vous pouvez pas être plus nombreux là-dessus. En vrai, si, hein. Ah non, j'ai l'impression qu'ils sont au maximum. Ok, bon, bah on va juste attendre, hein, j'ai envie de dire. Au pire, on commence à farmer les... On commence à mettre les rouges, hein. Ouais, on va mettre les rouges sur le terrain. On va commencer à mettre les rouges sur le terrain. Hop. Voilà, nickel. Hop, donc, ils rentrent.
Voilà, et on va prendre 35. Mais en vrai, je pense qu'on prendra pas de jaune. Ouais, je pense qu'on prendra pas de jaune. Les gens, on va éviter de prendre un risque en ramenant des jaunes, en sachant que les jaunes, ils sont pas rendus à 100. Donc ça, c'est bon. Sagittaire, un cadeau de mon fils, il doit être inquiet. J'ai retrouvé 10 pièces sur 30, et donc nous sommes dans les temps. Et il nous reste plus que la moitié de la journée pour fumer un boss. Et pourquoi t'as encore la moitié des Pikmin qui ne sont plus là? C'est une bonne question que je vais répondre par moi-même. Mais dis donc, Jamy, où sont les autres Pikmin? Eh ben, ils sont là, les salauds de Pikmin! Parce qu'ils sont pas suivis, ces petits salauds! Bah oui, Jamy! Les Pikmin sont trop cons pour qu'ils puissent te suivre! OMG, Jamy! T'es con! Ok, nickel. Bon, ça, du coup, c'est fait. Donc, les chers Pikmin, je vais vous demander de pas faire le con. Et vous allez me suivre. Non, mais on n'a pas le temps avec la... On n'a pas le temps de faire les fleurs. Nickel. Donc on va serrer là. Et c'est là où tout va devenir très drôle. Voilà pourquoi je disais que ça allait devenir très drôle. Hop. Oh putain! J'en ai marre! Allez! Putain, c'est pas possible! Merci! Wouh! Putain! On va perdre la moitié des Pikmin parce qu'ils sont tous noyés. Regardez, vous êtes prêts? Hop là. 90, 85, 80, 80. Allez hop. Putain, j'aurais su, j'aurais apporté que les bleus, hein. Je savais que c'était une mauvaise idée d'apporter que les rouges, hein. Putain, je me suis pas écouté, hein. Blague. Eh, plus jamais j'emmène les rouges sur un champ de bataille où il y a de la flotte, hein. Eh, c'est bon. C'est un truc de fou, ça. Non, c'est une putain de blague, il y en a deux. J'ai envie de canner, j'ai envie de crever. Mais il y en a deux, tu veux que je fasse quoi? Allez. Bon, on va aller chercher du renfort. Et vous, là, les glandus! Mais putain! Mais j'en ai marre! Mais ils sont tous encore en train de me suivre! Mais j'en ai marre! Mais c'est trop! Mais j'en peux plus! Allez, c'est bon, crevez les rouges! C'est bon, j'en ai plus rien à carrer! Oh, ils m'ont saoulé! C'est une blague! Putain, c'est pas de ma faute s'ils me suivent aussi, là! J'en ai marre! Pourquoi ils m'ont suivi? Putain! Tout ça pour quoi, sérieux? Tout ça pour des bouts de palais, mais qu'est-ce que j'en ai à carrer? Putain, il est là.
Arrêtez de transporter ça. Vous vous attaquez là, c'est bon. Oh là là, mec, j'en ai marre. Mais il est où là? Bon, attends, tu sais quoi? Hop, vous restez là. Moi, j'ai cherché du renfort. Non. Toi, tu ramasses rien, toi. Toi, je te préviens, tu vas aller à la flotte. Allez, hop. Zou, la flotte. Nickel. Voilà. C'est bon. Ah, ils m'ont saoulé, les gars. Ah, ils m'ont saoulé, les cons. Ah, les enculés de rouge, là. Hein? Putain. Et je me disais, je vais apporter des rouges parce que c'est les meilleurs guerriers. Mais oui, mais c'est un bruti. Ils sautent dans l'eau au lieu de passer sur le pont. Merde. Ils sont cons. Je vous le dis, moi, ils sont cons. Ils sont cons. Y'a pas d'autre mot, ils sont cons. Putain, on a perdu la... On va avoir perdu la moitié des... La moitié de ce qu'on a récupéré chez les bleus pour un putain de boss de merde, quoi. Oh, si ça, ça fait vraiment... Si ça, ça fait pas chier, ça, je comprends pas, hein. Putain. Mais putain, mais y'a encore un Pikmin qui tribuche, là, j'en ai marre. Y'a pas d'effort, les gens, y'a pas d'effort, j'ai juré. Allez, hop, venez. Ok, nickel. Ok, bon, il est où? Ok. Allez. Bon, les gens, on va l'avoir, hein. De colère qu'on va l'avoir, mais j'en ai rien à faire. Allez, s'il te plaît. Non, mais il a plus de vie. Allez, vas-y, go, fonce. Oh, putain, yes. Oh, enfin, s'il te plaît, dis-moi que t'avais la pièce. Où est la pièce? La pièce n'est pas là. Pourquoi la pièce n'est pas là? Parce qu'il y a un troisième. Tu te fous de ma gueule? Putain, faut que je me tape un troisième boss, un truc de fou. Allez. Oh, le pire boss que j'ai pu rencontrer, hein. Pourtant, celui-là, il est sympa, c'est juste un mini-boss, hein, de base sur Pikmin 3, hein. C'est un truc de fou, ça. Okay. Oh, s'il te plaît, dis-moi que la pièce est là. Mon dieu, mon compteur Jaeger, je sais pas trop à quoi ça sert, mais tout vaisseau en a besoin. De temps en temps, il s'agite et fait du bruit, mais je n'y fais pas attention, je devrais lire le manuel un jour. Ah, et ça, du coup, ça va me permettre de pouvoir récupérer des trucs. Bon, écoutez les gens, quitte à faire des Pikmin, j'ai envie de dire, autant ramasser tout ce qu'on trouve. Oh putain. Oh, ça a été le pire boss que j'ai pu rencontrer. Vous allez l'aider, oui! Oh mon dieu! C'est un truc de ouf, ça!
Bon là ils sont tous... Bon là j'en suis sûr qu'il y en a qui sont foirés. Voilà, exactement, il y en a qui sont foirés. Et là, l'autre côté... Ah, ils sont pas foirés de l'autre côté. Ok, bon, c'est pas grave. Hop, on en a 6, on va pouvoir ramasser le reste. Mais waouh! Oh, ce boss des enfers! Enfin, ce quadruple boss des enfers, je dirais même. Waouh! Ah, ça a été... C'était dur, hein. C'était dur, mais ça valait le coup parce qu'on est en avance. Et on a perdu plein de rouge. Comme ça, les gens, on est plutôt pas mal. Content Gagger, gna 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 gna. Cet appareil de mesure fait tellement de clics et que ça devient énervant. En plus, ça sert à quoi? J'ai retrouvé 11 pièces sur 30. Ok, donc là, du coup, nous sommes bien en avance. Donc, on a bien rattrapé le coup. Pff, mon dieu, hein. Cette journée, énorme, hein. Incroyable, cette journée. C'est pas possible. Et hop. Farmez-moi tout. Voilà. Alors, on récupère ça. Ok, nickel. Donc, là, du coup, on va pouvoir prendre plein de rouges. On va farmer les rouges et les jaunes. Attends, en vrai, j'avoue. Non, on va pas prendre les rouges. Même, on va rentrer le seul rouge qu'il y a. Et on va prendre les jaunes et on va farmer les jaunes. Parce qu'en vrai, les jaunes, ils sont pas nombreux. Voilà, ils sont que 99, les gens. Il nous faudrait quand même un peu plus de jaunes. Hop là, donc 80 jaunes. On va rentrer les trois derniers rouges. Voilà, nickel. Ok. Donc là, toc. Comme ça, on va pouvoir farmer les jaunes. Voilà. Touk. On va aller ramasser des mobs. On va ramasser des mobs comme ça, ça sera pas mal. Non, on va pas s'occuper d'eux. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, touc. Et il y en a 5 qui sont perdus. Bah écoutez les gens, j'ai envie de dire qu'on a fini. Bonsoir Royal, comment ça va? Comment ça va mon petit Royal? Moi ça va très bien. Bah j'ai la crève, mais sinon ça va. Bienvenue à toi dans ce let's play sur Pikmin. Tranquille, tranquille. Et bah si ça va tranquille, tranquille, et bah écoute mec, bienvenue à toi, voilà, bienvenue à toi dans ce let's play Pikmin qui est actuellement... où je suis actuellement en règle justement parce que la série... Parce que ce let's play Pikmin en fait bah, va sortir en véritable let's play, sauf que la différence, bah tout simplement... Tout simplement que c'est tourné en live, voilà. Je reste pas longtemps, je suis juste le temps de dire bonjour. Ok, pas de soucis, bah... Merci de te passer quand même, hein. Merci de passer quand même. Enfin bref. Jour 10 depuis le crash. L'espoir revient au fur et à mesure que les réparations du Dolphin progressent. Mes chances de retrouver ma chère famille augmentent chaque jour. Demain, je poursuivrai l'exploration d'une autre région. J'espère que Dame Fortune me sourira. Et c'était la fin de ce 10e épisode.
c'était la fin de ce 10e épisode, les gens. C'est incroyable comment on va très très vite. Et on va avoir le temps pour un dernier épisode. C'est un truc de ouf. Juste, attends vite fait que je regarde. Bon, on a perdu masse bleue, mais on a quand même réussi à récupérer. Ok, on est rendu à 206. On a 112 jaunes et on a 118 rouges. Ok. Ouais, c'est surtout les rouges qu'on a perdu. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, les rouges, là, plus jamais. Plus jamais les rouges, hein. Donc, on a 19 pièces restantes et on a 20 jours restants. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en avance sur le temps et c'est très bien. Et on a terminé une nouvelle zone, les gens. Donc, moi, je dis bravissimo. Bravissimo, j'ai envie de dire, les gens, c'est magnifique. Voilà, et ça va être là-dessus que cet épisode va s'arrêter, du coup, pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube. Voilà, donc merci à tous d'être venus pour ce... merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes de Pikmin. Voilà, en sachant que là, en plus, je crois qu'on a 43 minutes, donc je crois qu'il va falloir que je cut. Va falloir que je fasse un petit peu de montage. Je crois qu'il va y avoir un épisode qui va sortir deux fois, mais je vais me démerder. Je vais me démerder. En tout cas, les gens, merci à tous d'être venus. Voilà, merci à tous d'être venus regarder la vidéo. Et puis voilà, tout simplement, nous, on va pouvoir continuer de notre côté en live à tourner le prochain épisode. Voilà, et ça sera sûrement le dernier épisode à faire. Et en attendant, les gens, on va se laisser là. Donc, merci à tous d'être venus. Et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Et nous, je préviens tout de suite pour ceux qui sont dans le chat. Voilà, bonjour à tous ceux qui arrivent dans le chat. Je coupe juste le rec pour pouvoir le relancer et nous sommes repartis. Bonsoir NakeGaming qui se trouve dans le chat. Voilà, et qui doit lurk. Voilà, qui lurk dans le chat. Sur ce, comportez-vous bien, c'était Degima France qui vous dit à la stavista. Salut tout le monde! Et bonjour à toutes et à tous! Bienvenue, messieurs, dames, dans ce 11e épisode de Pikmin 1. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en compagnie du chat qui est juste ici, en compagnie de plein de gens qui sont en train de lurk et qui sont en train de découvrir cette licence que j'aime beaucoup. Voilà, même si c'est la licence des enfers actuellement, étant donné que nous faisons que de perdre des Pikmin. Mais dans le dernier épisode, des gens, comme vous pouvez le constater, nous avons dans les deux derniers épisodes, nous avons récupéré la dernière pièce qui se trouvait dans cette région, et nous avons pu récupérer les quatre dernières pièces qui se trouvaient dans cette région. Donc les deux régions qui sont là sont clean. Donc c'est à dire que maintenant on a cette région à faire. On a cette région, on va pouvoir la découvrir sérieusement, sachant que nous avons un jour d'avance. Donc c'est-à-dire que si nous trouvons aucune pièce à ce jour-là, nous serons en avance. Voilà. En vrai, ça serait bien qu'on puisse retrouver encore 2-3 pièces, comme ça on est très très en avance, comme ça on va pouvoir prendre notre temps et tout ça. En sachant que les gens, normalement le let's play durera 30 jours. J'espère que ça ira, hein, au niveau des pièces. Normalement, j'ai envie de dire oui. Après, on verra. Après, on verra, les gens, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut nous arriver. Sur ce, les gens, nous allons pouvoir débuter, nous allons pouvoir débarquer, j'ai envie de dire même. Donc, on est parti, on va atterrir dans la zone. On va atterrir dans la zone, voilà. Nickel. En sachant que ça fait déjà 1h41 que nous sommes en train, de tourner des épisodes. Ça fait plaisir, ça. Et on a des nouveautés. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle est donc cette supercherie? Mais il y a plein de Pikmin à ramasser là déjà. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas une pièce de vaisseau, ça? Ouh, bah si, j'ai l'impression que c'est... Oh, mais c'est littéralement une pièce de vaisseau! Le ciel soit loué, ma bouée spatiale absolument nécessaire pour les pilotes peu doués en natation dans l'espace. C'est bien ce que je pensais. On avait laissé une pièce la dernière fois dans la dernière fois qu'on nous étions rendus dans cette zone. Mais c'est formidable, ça, dit donc. C'est très formidable. Donc là, on en a 5. Donc on va prendre 33 jaunes, 33 rouges, et on va prendre 34 bleus. Donc 33 jaunes,
prendre 3 rouges. Voilà. Et les bleus. Les bleus, ils sont là-bas. Hop, on va prendre les bleus. Voilà. En sachant les bleus, on peut y aller. Donc, écoutez les gens. Hop. Comme ça, ça c'est fait. Et on va récupérer ça. Comme ça, les gens, on est très bien en avant. Comme ça, les gens. Hop, on a récupéré la pièce de l'épisode. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Donc, lui, il va pouvoir y aller. Non, attends. Il y a une deuxième pièce ici, les gens. Incroyable. Incroyable, les gens. On va être très, très en avance, là. On va avoir 2 jours d'avance à notre survie. C'est un truc de fou. Impeccable, ça. Boué spatial, un excellent nageur comme Non n'a pas besoin de ce genre de choses, mais ma devise est toujours prêt. Sérieusement, c'est juste en cas d'urgence. J'ai retrouvé 12 pièces sur 30, la capacité du dolphin a été accrue. Mes recherches peuvent couvrir une zone plus importante. Quoi ? Genre, on a déjà... on a à peine commencé l'épisode 11 et on avait... Et on a... On a enfin... Mais quoi ? Mais quoi ? Mais on a déjà débloqué une nouvelle zone alors qu'on a à peine commencé cette zone ! Mais OMG ! Mais la blague ! Mais de toute façon, les gens, on n'ira pas dans la nouvelle zone tout de suite. Voilà, on va juste, déjà pour commencer, flinguer le mur. Voilà, hop, flinguez-moi ça. Voilà. Flinguez-moi ce mur ! Allez-y ! Armée de Pikmin ! Flinguez-moi ce mur, faites-le tomber ! Allez ! Allez-y ! Allez-y ! Vous êtes long, les mecs, mais tranquille ! Ouais ! Nickel, ça, les gens, nickel ! Je vous adore, les gars, quand vous faites ça, là ! Je vous aime quand vous faites ça ! J'aime quand vous faites ça, les gars, c'est incroyable ! Donc là, attends, donc on a ces 2 pièces de récupérer, on a une pièce là-bas, on a une pièce là-bas. Putain, et en vrai, il y en a pas mal des pièces là-dedans, c'est un truc de fou. Quand je pense qu'il faut qu'on récupère tout ça. Ah, mais non, mais arrêtez, non, ah, au secours. Alors attends. Là, on va aller où, là? En vrai, je pense, les gens, on va continuer par là, on va voir pour récupérer les pièces qui sont sur la terre, là, et puis après, on ira chercher les pièces qui sont dans l'eau avec les Pikmin bleus. Là, en attendant, on va les laisser. Allez. Nickel. Ok. Les gens, là, on a 2 jours d'avance. On a 2 jours d'avance à ce qu'on devait faire. C'est incroyable. Propulseur 1, s'il est endommagé, c'est la catastrophe. Je dois effectuer une vérification dès que possible. J'ai retrouvé 13 pièces sur 30. Il m'en reste encore 16 à trouver pour pouvoir augmenter la performance de mon vaisseau. Ok. Donc ça, c'est fait. Sur ce, nous allons pouvoir aller là-bas. Comment ça, maman? Ah, ok, là. Bah, allez-y, mangez, c'est bon, vous avez mangé, hop, là, nickel. Ah, mais il y en a encore! Ah, bah, mangez. Ah, mais il y en a encore un autre! Ah, bah, mangez. Ah, mais il y en a plein! Mais OMG! Mais mangez tous vos morts! Allez, hop! C'est bon, on est tous fleuris! Allez, hop, on est parti. Alors, du coup. Ça c'est quoi? Ça c'est un mur qu'il faudra péter avec des bombes rock. Ok, donc ça... Ah mais attends, ah mais si. Flinguez-moi ça là. Ok, nickel. Hop là, nickel. Ah bah tiens, flinguez-moi ça, ça fera un petit raccourci en plus. Là, nickel. Donc on a aussi ce mur à péter. Là on a un pont à construire. Donc on va péter ce pont. Je sais pas d'où il va mener ce pont. En attendant, les gens, on va explorer un petit peu là. Donc là on a un pont qui va mener là. On a les pièces là-bas. On va les visiter là. En attendant qu'ils font ça, là on va visiter. Ça c'est quoi ça? Il y a un gros truc là, je sais pas c'est quoi. Ah, Yark. Il y a un espèce de gros truc dégueulasse là derrière là. Je sais pas c'est quoi, mais ça fait peur. Hein. Quoi, ils ont déjà terminé le pont, OMG. Ah oui, ils ont fini le pont.
Ils ont fini le pont et je peux pas y aller. Je peux pas y retourner. Non, je me suis vraiment bloqué là. Je me suis bloqué. Non, je me suis pas bloqué, ok. Autant pour moi. Parce qu'en vrai là, si j'aurais été proche d'eux là, je leur ai demandé de fabriquer ce pont, mais je pense que ça va être compliqué. Donc écoutez, c'est pas grave les gens. On va juste faire le tour. Ah bah écoutez les gens, je peux passer là. Mais pourquoi y'en a encore qui bouffent là, OMG là? C'est quoi ces grosses bouffes là? Ok, nickel. Hop, donc vous pétez ça. Là ensuite on a quoi? Ah, on a un truc ici, il va nous falloir un pont. Ok, donc là on a une première pièce. Et la deuxième pièce, je suppose que c'est le boss qui est caché quelque part par là. Le boss qui est là. J'aimerais bien savoir comment tu réagis toi. MDR. Ok. Ok, 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 ok. Wow! Ah, Wog! Incroyable. Oui, je connais le nom des mobs, les gens. Ne vous inquiétez pas. Ok, parfait. Oula, 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 oula. Non, ça y est, ça commence les emmerdes, ça commence, ça y est. Ah, ça y est, ils sont tous en train de cramer, OMG, c'est bon, on est tous morts. Ah, bah voilà, c'est bon. Et voilà, il y a plein de gens qui sont morts, c'est hyper, c'est nickel. Hop, allez, pétez-moi ça. Alors, non. Bon, bah, ils sont tous tombés dans la bataille, c'est pas grave. Hop, là, hop, attaquez-le. Mais putain! Ils sont tous en train de crever. J'ai perdu tous mes Pikmin dans la bataille, c'est super hein. Ça va vous sinon? Moi ça va. Ah vraiment, tous mes Pikmin bleus et jaunes que j'en ai chié à farmer là, ils sont tous partis. Ça fait plaisir en tout cas. Bah écoutez, les gens, on va faire un truc, on va décimer tous les mobs qu'il y a là, et puis on verra ce que ça donne. Ouais, 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 comment il va le dé? Bah, il va très bien le dé, ma chère Kalou. En train de faire un génocide de Pikmin actuellement, mais tout va bien. Hein. Mais ils sont tous en train de crever. Les dégâts de mon combinaison ont atteint un seuil critique. La meilleure chose à faire est de rentrer au Dolphin et de réparer ma tenue. Ah bon? Tout ce que j'ai à faire, c'est de me tenir devant le vaisseau et appuyer sur A. Ah, si seulement il suffirait d'appuyer sur le bouton pour réparer mon vaisseau. Ah là là, MDR, t'as l'air de galérer, mon pauvre. Ah non, mais cette version de Pikmin, en vrai, bah, c'est les origines de Pikmin, donc tout va bien, mais... Bordel de merde! C'est ultra dur, votre truc! Eh, vraiment, j'ai décimé toute mon espèce de Pikmin bleu et de Pikmin jaune sur ces putains de cracheurs de feu, hein. Et là, je suis en train de canner. Mon capitaine est en train de canner. Tranquille, tu vas y arriver. Ah, tranquille, tranquille, on y croit. J'ai retrouvé 13 pièces, gna gna gna. Bon, ça, on s'en branle, ça, donc en gros... Kalou, vu que tu n'étais pas là, je pense, dans les débuts, en gros, le but de Pikmin, c'est tout simplement... tu dois récupérer les 30 pièces du vaisseau du capitaine Olimar durant un temps restant de 30 jours. Voilà. Voilà. Et si tu as pas les 30 pièces du vaisseau au bout de 30 jours, bah en gros, t'as perdu. Voilà.
C'est tout simple, hein. C'est tout con, on peut pas faire plus con que, comme scénario. Hein. Mais le seul problème, c'est qu'il y a un truc à faire. Ok, ok, ça a l'air cool. En vrai, c'est incroyable. En fait, c'est surtout la franchise du 3 qui est incroyable. Ah, mais ils l'ont fumé finalement. Ouais, il y a encore un bleu qui est en train de crever, MDR. Je connaissais deux noms, mais j'ai jamais joué. Bah écoute, ma chère Calou, si tu viens tous les mardis soirs regarder ce stream, et bah tu seras surpris de la licence Pikmin. Et tu rigoleras tellement aussi de comment je fais pour... Attends. Vous n'allez pas l'amener. On va faire un truc. Là, du coup, normalement, j'ai estimé tout ce qui est... tout ce qui est feu. Bon, à part là-bas. Je regarde. Ok. Donc là, on va faire un truc. On va rentrer tous les rouges. On va reprendre des jaunes et des bleus. Et on va éparpiller en fonction des espèces. Parce que là, du coup, avec le nombre de Pikmin qu'on a perdu, il va falloir qu'on en fasse. MDR, j'adore le système de sifflet, c'est super mis. Ouais. J'adore le système d'esclavage que Olimar arrive à instaurer sur cette pauvre créature qui n'avait rien demandé de base. Franchement, c'est incroyable aussi. Et là, vous pouvez vous regrouper. Tout à l'heure, quand c'était sur le pont, vous vous êtes jetés dans la flotte comme des abrutis. Allez, bande d'enculés, va. J'ai encore fait une découverte. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu l'as déjà dit! Putain, frérot, tu te répètes, là! D'esclavage? Non, à peine! Non, tranquille. Mais ça, je l'ai déjà dit. En gros, on peut pas avoir plus de 100 Pikmin. Mais ça, il se répète, le frérot, là. Donc là, il nous en faut 32. Il nous en faut 32 parce qu'il y a une graine qui est en train de pousser. Voilà. Comme ça, là, on va en prendre 33. Voilà, nickel. Et là, on va pouvoir en prendre. Pourquoi on peut pas en prendre? On a un problème, Harry, là. Où sont les autres rouges? Ah, mais parce qu'ils sont en train de rapporter ça. Mais du coup, les 32 rouges qui sont là, je vais pouvoir les dégager, en fait, ceux-là. Donc, attends, ceux-là, je les dégage et puis je vais prendre des bleus à la place. Ah oui, mais non. Ok, je me suis fait... Je me suis niqué tout seul. Je vais laisser le stream en fond, j'ai quelques trucs à fignoler et je reviens après. Ok, pas de soucis, Calou. Pas de soucis, bon lurk. Bon lurk. Bon, alors, attends. Bon, attends. On va faire un truc, décidément. Hop, on va ranger ces rouges-là et on va prendre les rouges-là. Voilà. Parce que décidément, je m'attendais pas à que je récupère tous les rouges d'un seul coup. En soi, après, on est grave en avance, hein, donc en soi, tout va bien. Hein. On est grave en avance, hein, on a genre 2 jours d'avance. Si on peut avoir un troisième jour, moi, ça m'irait très bien aussi. Là, voilà. Donc on veut des rouges comme ça, et on veut le reste en bleu. Ok, donc ça veut dire qu'il y a le reste de la team qui se retrouve là-bas. Mais oui, parce qu'il y a des abrutis qui sont là et qui veulent bouffer. Ils ont tous faim, ces petits bâtards. Hop là. Donc là, je veux une team. Je peux avoir des jaunes. Ok, nickel. Et là, on va mettre des jaunes. Je me suis foiré, j'arrive pas à voir les jaunes. Ah! Vous voulez jouer à ça? Hop là, allez! Ok, nickel. Et là, bah. Tous ceux qui peuvent, qui s'y mettent. Et puis. Voilà, nickel.
Comme ça, ça c'est bon. Allez là-bas. Et bah là, ça va être pareil. Je pense qu'on va plus mettre les jaunes, ouais. On va plus mettre des jaunes. Bah, au pire. Au pire, voilà. Puis si nous manque des choses, et bah ça sera de leur faute. Ok, nickel. En vrai, là, on va faire un truc. Pourquoi ils sont encore en train d'attaquer de l'herbe? Eh oh, les gogoles! Voilà, on va faire comme ça. Arrête! Pas possible, ça! Mais comme ça, putain, mais oui. Donc ça, c'est quoi? J'ai trouvé mon unité anti-gravité. Ce dispositif clé joue avec la gravité pour me donner une bonne accélération afin de passer en vitesse lumière. Content de l'avoir récupéré. Ok. Et ça, il en faut... Il en faut 25. Ok, nickel. Ah, mais il y a une suite, là. Il y a une suite, là. Attends. Mais j'ai l'impression qu'il y a une pièce aussi, là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de crever? Vous êtes où? Mais qu'est-ce que vous faites, là, bande de kogols? Putain. Eh, quand je vous dis, les gens, les rouges, sont suicidaires. Putain, c'est des dépressifs. C'est un truc de fou. Bon, au pire, vous allez être là, vous allez terminer le pont, moi j'allais chercher vos potes. Voilà. Ah, c'est un truc de fou, ça, c'est aberrant. Tu vois, je ne peux pas les laisser 2 minutes sans les surveiller pour pas qu'ils aillent se jeter dans la flotte ou je sais pas quoi. C'est un truc de fou, ça. Ah, mon dieu, hein. Décidément, ils m'en font voir toutes les couleurs, ces petits cons. Pourquoi t'es par terre, toi? Putain, reviens. Ok, ils ont fini le pont, on va pouvoir récupérer la pièce. C'est parfait. En plus, la nuit va tomber, c'est parfait. Donc là, on n'a plus qu'à se dépêcher. En vrai, les gens, si on récupère encore 2 pièces cet épisode, on aura galéré, mais on sera pas mal, hein. Et voilà, il y a encore un abruti en train de... Il y a encore un abruti qui s'est noyé. C'est super. Bon, attends, que je regarde vite fait, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Donc là, on a des WOG. On a ça, là. C'est quoi, ça? C'est le filtre à dioxine. Il se fixe sur les tubes d'échappement du vaisseau et filtre tout ce qui sort de la navette. Ça m'évite donc de polluer l'atmosphère et de cette planète. Je me sens rassuré. Ok, nickel. Et du coup, pour venir, tu fais comment? Ok, tu passes là-bas. Ok. Donc du coup, prochain épisode, les gens, bah ça sera pas durant ce live, malheureusement, les gens, quoique. Allez, en vrai, j'ai envie de dire, demain, les gens, je termine à 10h, donc je vais pouvoir me permettre de me coucher un peu plus tard. Faut que j'aille récupérer les autres, c'est une urgence, tout de suite, maintenant, go, allez, on y va. Malheureusement, les gens, il va falloir qu'on fasse des sacrifices. J'espère qu'ils sont rentrés à temps. Je crois que c'est mort. Putain ! Ah, je suis dégoûté. On a encore perdu des dizaines et des trentaines de Pikmin dans ce bordel de ce merdier là. Oh, fait chier, tiens.
11 jours depuis le crash, j'ai réussi à accroître le rayon d'action du Dolphin. Tandis qu'il s'élève encore plus haut, je peux voir par le hublot une vaste étendue d'eau au plus profond de la forêt. Je l'ai baptisé la source lointaine. Je l'explorerai demain. Pour l'heure, il me faut du repos. Mais ça sera pas pour l'instant. Ça sera pas durant ce live et ça sera pas durant cet épisode, les gens. Ça sera pas durant le prochain épisode, les gens. Parce qu'on va retourner dans la zone et puis on va récupérer les pièces manquantes. Oh putain, fait chier. J'ai combien... J'ai abandonné 94 Pikmin au total. Ça fait plaisir. En tout cas... Voilà, parce qu'on a perdu... on a perdu 94 Pikmin. Ça fait plaisir, ça. Nickel. Ah, encore une journée merdique, mais on a bien travaillé quand même. En fait, c'est ça, en fait. C'est, tu fais toujours des sacrifices de Pikmin. C'est un truc de fou. Mmh. Oh, fait chier, ça. Oh, il y a plein de flottes, les gens. On va y aller qu'avec des Pikmin bleus, si on y va. Oh mon dieu, ça va être très très chiant. Mais nous, de toute façon, on n'ira pas là. On continuera à aller là-bas, les gens, parce que c'est la fin de cet épisode, du coup. Donc on va continuer, on va faire un dernier épisode en live, les gens. Et puis, voilà. Et bonsoir Xfox qui nous rejoint dans le chat. Voilà, tu arrives à la fin de l'épisode 12. À la fin de l'épisode 11, pardon, de notre aventure Pikmin. Bienvenue à toi quand même là-dedans. Voilà. Alors du coup, mon cher Ufox, que je t'explique vite fait comment ça se passe du coup, parce que tu es actuellement en train de visionner un let's play. Merde, j'ai raté pas mal de choses. Ouais, t'as raté quand même pas mal de choses. Mais t'inquiète pas parce que en fait, le let's play que nous sommes actuellement en train de faire en live sortira en let's play vidéo. Enfin, let's play vidéo en mode let's play rediffusion live, en plusieurs épisodes de 20 minutes. En fait, ça sortira à partir de dimanche 14, à partir de midi. Voilà, à partir du 14 mai, tous les dimanches à midi, tu auras un nouvel épisode. Voilà, oh, pas mal. Voilà, comme ça, tu vas être servi au niveau des épisodes. Tu vas être servi au niveau des épisodes, ça va être pas mal, ça va être pas mal, ça va être pas mal, voilà. Après, potentiellement que j'essayerai d'augmenter, voilà. J'ai fait que le 3, moi. Eh bah écoute, moi j'avais fait que le 3 auparavant, et puis là, bah du coup, justement, c'est pour ça que je m'étais mis à faire, du coup, un let's play sur le premier, en fait, parce que du coup, en fait, si tu veux, étant donné qu'il y a Pikmin 4 qui sort le 21 juillet, je voulais justement... je voulais justement faire un marathon Pikmin, justement, où on retrace les trois licences, en fait, où on retrace les trois opus. Donc c'est-à-dire que on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pikmin, beaucoup de Let's Play Pikmin. Il va y avoir le 1, le 2 et le 3 qui vont être faits d'un seul coup. Voilà, comme ça, le quatrième Pikmin, du coup, nous le ferons également en live. Voilà, on fera également le Let's Play sur Pikmin 4 également en live, parce que les gens, je n'attends que ça, en fait. Ah ouais, j'ai capté, voilà. Et voilà, du coup, j'ai mis en pause le règle juste pour t'annoncer ça. Je vais juste faire un truc. Je vais faire l'outro de l'épisode 11. Je vais cut l'épisode 11. Et je vais revenir. Je vais revenir avec l'épisode 12, ne t'inquiète pas. Bref. Voilà, du coup, je relance. Ok, bon, excusez-moi, j'étais en train d'expliquer à Ufox, du coup, voilà, parce qu'il est un petit, vu qu'il vient de revenir, voilà, vu qu'il vient de revenir et qu'on était en train, on a discuté un petit peu avec Ufox, voilà, et puis j'ai expliqué un petit peu le concept de la vidéo, mais enfin bref, c'est la fin de cet épisode, les gens, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains let's play, je rappelle, tous les dimanches à partir de midi, ça se trouve, l'horaire aura changé parce que on n'aura pas le temps, littéralement, mais... tous les dimanches à partir de midi, pour l'instant vous avez un épisode de Pikmin, puis ça fait plaisir, tout simplement, ça fait plaisir, et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour l'épisode 12. Comportez-vous bien, c'était GamerFrance qui vous dit à la vista. Salut tout le monde. Et bon
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue messieurs dames dans ce 12e épisode sur Pikmin 1. Voilà, nous sommes actuellement en live ici des Gamers France, votre hôte de ce soir, voilà, où dans le dernier épisode nous avons à la fois bien travaillé, à la fois bien perdu des Pikmin aussi en même temps. Voilà, mais bon, j'ai envie de dire que les bonnes tâches doivent être réalisées avec des sacrifices. Donc, messieurs, dames, nous sommes en compagnie de Ufox dans le chat. Il y a aussi Kalou qui est en train de lurk, voilà, et qui reviendra dès qu'elle aura fini ce qu'elle doit faire, voilà. Donc, dans le dernier épisode des coups, messieurs, dames, nous avions fait ça, voilà, nous avions continué les pièces, voilà, on avait récupéré deux pièces. On s'apprêtait à récupérer une nouvelle pièce. Voilà, on s'apprêtait à récupérer une nouvelle pièce et on va aussi récupérer une autre pièce qui se trouve dans la flotte, voilà. Et après, on aura un petit boss, je pense, à récupérer, mais effectivement, nous avons assez pas mal de pièces à récupérer. Voilà, il va falloir aussi qu'on fasse le point au niveau des pièces, parce que j'ai l'impression que il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pièces que prévu. Donc on va voir ça, là, on va... Je pense que déjà, pour un premier temps, on va prendre des Pikmin bleus. On va prendre que des Pikmin bleus, les gens. C'est très simple, on va refaire la stratégie bleue. Voilà, la stratégie du blue. C'est-à-dire que nous allons aller là, on va prendre 100 Pikmin bleus, et on va faire ça. En sachant qu'il y a des Pikmin qui ont germé je ne sais pas où, voilà, parce que c'était des Pikmin fleurs, et qu'apparemment les Pikmin fleurs posent des graines derrière eux pour faire germer des Pikmin feuilles. Donc c'est-à-dire que les Pikmin, on ne pourra jamais être en voie d'extinction d'une espèce de Pikmin, étant donné que ils sont toujours là. Germé dans la pousse au niveau d'un champ de bataille. Donc vous récupérez ça. Alors on va attendre qu'il se réveille. Voilà, nickel. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi dans cet épisode, du coup, mon cher Ufox, je sais pas pourquoi ils sont à fond dans la dénaturalisation. Je sais pas si ça se dit, mais j'en ai rien à carrer. Me dis pas qu'ils sont partis. Ah, ils sont là, les Pikmin qui ont germé. Ok! Impeccable! Ok! Ah, il y en a un autre qui a germé là-bas! Ah, mais c'est un Pikmin jaune! Ah, mais du coup, attends, lui, je vais pas le ramasser maintenant parce qu'on va récupérer la pièce qui se trouve là-bas. Donc là, attends, que je regarde. Donc ça, c'est quoi ça? Ah, vous faites peur! On va faire le tour. Oh putain, il va pas être assez. Oh si, juste assez, pile assez, incroyable. Allez, allez, on va prier. Le convoi de l'extrême, les gens, est-ce que ça va être bon? Allez, allez. Ils sont 51 dessus, ils sont 51 dessus, les gens. Convoi de l'extrême, normalement c'est bon. Vas-y, on va s'occuper des grenouilles. Ok, donc la première pièce est arrivée. Ok, les gens. Donc là, normalement, on est toujours dans les temps. On est toujours en avance, même. Et on va être encore plus en avance dès que la prochaine pièce sera récupérée. Unité antigravité, voilà. Unité antigrave. Cette pièce permet à mon dolphin de se déplacer dans l'espace avec la grâce d'un dauphin. J'ai retrouvé 14 pièces sur 30. Il m'en reste encore 15 à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. Voilà. Ah, ok. C'est pas grave, allez, on va les occuper, eux, comme ça, eux, ils vont pouvoir y aller. Et go. Attends, on va attendre encore un peu, voilà. On va attendre qu'ils sortent de la flotte. Ok, nickel, ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon, on va pouvoir récupérer le jaune. On va pouvoir récupérer le jaune, les gens. Et là, les gens, on est plutôt pas mal, là. On est plutôt pas mal pour cet épisode. Hop, nickel, hop, donc ça, c'est bon. Et au bout de 4 minutes, les gens, on a réussi quand même à faire pas mal de choses. Ça serait bien qu'on puisse trouver des bombes rocks aussi pour ça. Parce que là, du coup, je sais pas comment ça se passait. Ok, donc là, il y a un chemin, donc ils pourront pouvoir se frayer un chemin là-dedans. Ok. Donc là c'est bon. On va aller ici. On va récupérer les autres Pikmin là. On va récupérer les autres Pikmin. Et donc là du coup, c'est à dire que... Attends, qu'on fasse le point. Donc on a une pièce qui va arriver. Voilà, on a une pièce qui est en train de... Attends, voilà. On va prendre le pointeur de la souris. Donc on a une pièce qui va arriver là. On a une autre pièce ici. On a une autre pièce là. Donc c'est à dire qu'il va falloir qu'on récupère ces deux pièces. Après, donc je sais que là il y a un boss. Un boss qu'il va falloir qu'on se fasse. Qu'on se farcie même, et j'ai l'impression qu'il a pas l'air commode celui-là aussi. Et on a une pièce ici, donc je sais pas si ça va être un boss. On a une autre pièce là-bas, donc je sais pas si c'est avec de la flotte. Et j'ai l'impression que oui, il y a de la flotte, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que j'y retourne avec des Pikmin bleus. Et on a une dernière pièce qui sera là-bas, dont je ne sais pas ce que c'est.
Voilà, et je sais pas où c'est. Donc ce qu'on va faire les gens, c'est qu'on va récupérer les bleus. Et on va dispatcher tout ça, et puis on va prendre un petit peu de... On va dispatcher les bleus, donc attends. On va ranger tous ces bleus, on va prendre un peu de rouge, on va prendre un peu de jaune, et on va s'organiser. Donc là, attends. Les bleus arrivent, nickel. Donc on va attendre que tout ça rentre. Ok, nickel. Donc là, on va reprendre un peu de jaune. Voilà, 22 jaunes, c'est pas mal. On va aller chercher des rouges, et on va aller se faire le prochain boss. Ok, nickel. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que eux, ils arrivent. Attends, ils vont passer où? Ok, ils vont passer là-bas. Est-ce qu'on pourrait pas les aider? J'ai l'impression que si, on va pouvoir les aider encore un peu. C'est pour ça qu'on va y aller. Hop. Donc là, 60 sur 40, on pourra pas faire plus. Ah bah tiens, vous aimez bien l'herbe, là. Allez, hop. Et là-dedans, il y a quoi? Voilà, allez, mangez, mangez, mangez. Hop, allez-y. Vous savez quoi? Occupez-vous de ça, là. Hop, faites-moi des fleurs. Comme ça, c'est très bien. Comme ça, on va pouvoir germer des fleurs. Ok, c'est bon. Ah non, ils en ont, ils en trouvent encore, les salauds. Ils en trouvent encore, ces cochons. Où est la pièce? Putain, quoi? La pièce, elle fait tout ça comme tour. Mais un truc de ouf, ça. Ok. Bon, la pièce va arriver, les gens. Comme ça, on va être très 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 bien en avance. Ok, donc ça c'est bon. Très bien. Et le vaisseau il commence à avoir un peu plus de gueule. Hein. Filtre à dioxine. Les lois interspatiales obligent les constructeurs à équiper leurs véhicules de filtres pour limiter la pollution dans l'espace. J'ai retrouvé 15 pièces sur 30. Et les gens, on a la moitié des pièces. Hein. On a la moitié des pièces au bout de je ne sais pas combien de jours. Au bout du jour 12, on a la moitié des pièces, les gens. Ça va aller très très vite. On va terminer ce let's play au galop d'un cheval, on pourra passer à Pikmin 2, les gens, ça va... c'est formidable ça. Donc allez, on va aller se farcir le boss, parce que le boss il nous attend, donc on va aller se le farcir. Donc il faut que j'aille là-bas. Allez, occupez-vous de ça. Ok, nickel. Putain, allez. Oh putain, putain, la grenouille qui se mêle de ses... qui se mêle de ses affaires. OMG. Bon, attends. Voilà. Bon, on va exploser cette grenouille là parce qu'elle m'énerve. Yes. Voilà, nickel. Hop, emmenez-moi ça. Bon, là, du coup, les gens, on est en train de perdre du temps, mais en vrai, c'est du bon temps, parce que là, du coup, on a tout ça à récupérer, là. Faut pas y aller plus vite, là. Putain. Vous êtes lents, les gens, vous êtes lents. Mais... Oui, bon, allez, hop, allez, faites-vous plaisir, ramassez ça, de toute façon, on a le temps. Voilà, allez, c'est bon, vous avez tout ramassé, vous êtes tous fleuris, c'est bien, on est content. C'est bien, vous êtes tous fleuris, c'est bien, on est content pour vous. Allez, hop, on y va.
Allez, non, on a plus le temps. Regardez, il n'y a plus rien. Voilà, allez, venez. Arrêtez de faire de la merde. OMG. Ah, ils vont me faire péter un câble, les gars. Ok, nickel. Hop là. Donc voilà. Là, ils ont reproduit. Là, ils ont reproduit. Ah, ça en fait des, de la cueillette, hein. Ok, nickel. Et là, du coup, les 14 autres. Et là, nous sommes à 100. Nickel. Allez, on est parti. Allez, on va castagner maintenant. Non, mais arrêtez avec les putains de plantes de merde. On s'en branle. Allez. Courage les gars, on va y arriver. Là-bas. Donc on a désingué le zog, le wag. Et là, on a plus que ça à faire. Donc là, on va attendre que tout le monde débarque. Et là, à l'assaut! Allez. Oula, 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 c'est mauvais pressentiment, ça. Ah, quoi? 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 Ah! 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 Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il a corrompu mes Pikmin! Putain, l'enfoiré, il corrompt mes Pikmin! Oh, je savais pas, ça. Ok, faut que je fasse gaffe. Attends, on va s'éloigner et on y va. Voilà, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien ce que vous faites, les gars. Ok, nickel. Et on est reparti. Allez, c'est bien les gars, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, continuez, continuez, continuez. C'est bien, on va l'avoir. Let's go. Par contre, le boss qui corrompt mes Pikmin, OMG. J'ai le stabilisateur Oméga. Si je veux que mon vaisseau vole droit, cette pièce est réellement nécessaire. J'ai pu me sortir de tempête spatiale grâce à elle. En plus, elle a l'air superbe. Allez, on récupère ça, on récupère ça, on récupère ça. Allez, go, 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 go. Ok, nickel. Vous passez où, là? Ok, vous passez là. Mmh. Ouh! On va mettre la blinde de Pikmin là-dessus. Ah, c'est la merde un peu là. Sachant que quand les Pikmin sont en feu, tu peux pas vraiment les sauver parce que tu peux pas réussir à les sauver parce que c'est ils prennent dès qu'ils prennent feu, c'est finito quoi. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on aille faut qu'on aille là-bas. Mais je crois à partir de là, il va nous falloir les bombes rock. Mais là, du coup, les bombes rock, je sais pas où on va pouvoir les trouver. Ah non, on n'a pas besoin. Si, on aura quand même besoin. Et du coup, il serait là-bas. Et là, du coup, on aura un boss. Ok.
Bon, du coup, je vais aller chercher le reste des Pikmin, du coup, et puis on va se faire un boss. On va se faire un boss, donc écoutez les gens. Let's go. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la blinde de Pikmin rouge, jaune et bleu. Comme ça, ça sera pas mal. Non, attends, on va se refaire la blinde de jaune. Plutôt ça. Voilà, nickel. Et je pense qu'on va faire un truc, c'est qu'on va... On va faire un truc. On va rappeler cela là. Voilà. On va mettre la blinde de jaune comme ça. C'est sûr et certain qu'ils iront à l'oignon jaune. Voilà, comme je le disais, ils vont bien à l'oignon jaune. C'est parfait. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Donc, l'autre pièce est en route. Donc, l'autre pièce, on va pouvoir la laisser faire. Donc, objectif Boom Rock. Où est-ce que je peux trouver des Boom Rock? C'est une grande question. Bah, si, c'est une grosse question. Oh putain, il y a encore des mobs, là. Ok, nickel. Voilà, nickel. J'ai toujours pas trouvé de bombe rock, les gens, c'est inquiétant. Stabilisateur méga, c'est l'élan du dolphin, un peu tordu, mais ça ira, avec ça je devrais pouvoir voler, même s'il manque encore les 30 pièces. J'ai retrouvé 16 pièces sur 30, et il m'en reste encore 13 à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. D'ici là, d'accord, mais pour ceci, il faudrait un truc quand même qui s'appelle, tout bonnement, des bombes. Mais j'ai l'impression que je vais pas pouvoir trouver ça maintenant, les bombes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement prendre les bleus et puis on va aller faire tout ce qui est en rapport avec la flotte. Voilà. Ils sont encore... Arrête avec ça, là, putain. Venez. Voilà. Donc, eux, on va les rentrer. On va le rentrer. Voilà. Voilà. Et on va prendre blinde de bleu. Voilà, nickel. Et on va aller tout simplement récupérer la... le machin qui est là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je pars à gauche. Donc, comment faire pour aller par là? Il faut que j'aille là-bas, ça c'est sûr. La pièce, elle est juste là. Mais là, du coup, je suis coincé. Comment je peux faire pour la récupérer? Attends, il y a un petit truc là, attends. Apparemment, il y a un petit espace. De toute façon, les gens, ça va être le dernier épisode qu'on va tourner qu'on va tourner ce soir-là, donc... Elles sont là, les bombes rock! Tu te fous de ma gueule!
Regarde. Truc de ouf, là. Ouais. Donc vous allez vous coller contre le mur. Nickel. Attends, mais du coup, comment ça se passe? En fait, faut que je... Oh putain, faut que j'aille faire le tour, littéralement. Putain, mais j'aurais pas le temps, du coup. J'aurais littéralement pas le temps. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va... Est-ce que vous pouvez arrêter de péter tout ce que vous voyez? Est-ce qu'on a tous les Pikmin? Non, parce qu'il y en a qui sont enterrés quelque part. Voilà, il y en a encore deux qui sont enterrés quelque part, qui sont là-bas, parce que ceux-là ont été tués. Mais nous, nous avons terminé cette aventure. Wouh! Eh ben, décidément, c'est plutôt très compliqué. En vrai, les gens, là, je suis plutôt content pour ce live parce que on aura fait un truc. C'est tout simplement que on aura bien avancé. On sera même très loin dans tout ce qui compte, dans tout ce qui touche au niveau de comment dire, merde. On sera très loin dans tout. Bon, on sera très en avance. Voilà, on sera très en avance sur notre temps. Bon, bah, il y a un Pikmin qui meurt, forcément. On ne change pas une équipe qui gagne. 12e jour depuis le crash. C'est très étrange. Les décors de cette planète que je trouvais hostile m'emplissent maintenant de sérénité. Peut-être que les Pikmin ont ouvert mon cœur à la beauté de leur monde. Je me dis même que je n'ai plus besoin de certaines pièces. Mais hélas, bah, va falloir que tu rentres chez toi parce que sinon tu vas crever, voilà. Les gens, on a 4 jours d'avance. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? On a 4 jours d'avance. On a plus que 18 jours restants. Et on a 14 pièces restantes. On a 4 jours d'avance. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, c'est très bon. Donc écoutez les gens... Bah ça va être sur cet épisode que nous allons pouvoir nous quitter, donc merci à tous d'être venus, de toute façon, nous ça va être pareil pour le live, voilà, donc merci à tous d'être venus sur le live, voilà, j'espère que ce live vous a plu, n'hésitez pas à vous follow à la chaîne Twitch, voilà, n'hésitez pas à venir vous follow sur la chaîne Twitch pour ceux qui regardent la rediffusion, et n'hésitez pas, pour ceux qui ont loupé 2-3 éléments dans le gameplay, n'hésitez pas à aller voir tout simplement, allez vous abonner tout simplement à la chaîne VOD, comme ça vous pourrez accéder au Let's Play, voilà, en sachant que si vous venez sur les live Twitch, vous aurez tout simplement les privilèges, en fait, vous aurez tout simplement un avantage comparé à si vous restez sur les rediffusions de live, parce que bah, vous avez le Let's Play en avance, voilà, puisque nous tournons les épisodes en live. Enfin bref. Nous, sur ce, les gens, on va pour se quitter là-dessus, donc merci à tous d'être venus dans le live, merci à tous ceux qui ont suivi, voilà, que ce soit sur les rediffusions, les épisodes sur YouTube, ou les épisodes en live, voilà, et on se retrouvera tout simplement très bientôt pour la suite de ce Let's Play, voilà, on se retrouvera semaine prochaine pour la suite de ce Let's Play, et sur ce, bah, comportez-vous bien, on se retrouve demain pour du BeamNG, voilà, pour ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve demain pour le Grand Prix mortuaire de Steelhorse, et sur ce, à la Stavista, salut tout le monde!